On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, le débat high-tech numéro 1 en France. Bienvenue ici en direct dans le studio de Tech TV, la chaîne de toute l'actualité du numérique que vous retrouverez prochainement sur Internet et qui met à disposition ses moyens techniques. Les équipes de On refait le Mac, d'iCreate, de Tech TV, de Belgian iPhone, de Frandroid, mais aussi du nouvel app se mobilisent pour vous faire vivre la conférence de présentation des nouveaux iPads qui vont être présentés dans un instant par Tim Cook à San Francisco. Mais avant de retrouver nos chroniqueurs, place au sommaire. La fine équipe d'On refait le Mac, Tech TV, Belgian iPhone et Frandroid se mobilisent pour vous faire vivre en direct la présentation des nouveaux iPads. Quid de la cinquième génération de la tablette tactile d'Apple? Va-t-elle se contenter de changer de design ou reprendre les avancées de l'iPhone 5S comme son capteur biométrique? Quant à l'iPad mini, va-t-il enfin adopter un écran Retina? Des nouveautés sont également attendues du côté Mac, avec une mise à jour possible des MacBook Pro et la dernière version d'OS 10 Mavericks. Tim Cook va-t-il également en profiter pour annoncer le Mac Pro et surtout à quel prix? Toutes les réponses tout au long de ce live. On refait le Mac, c'est votre émission. N'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions en direct sur Twitter via l'hashtag ORLM. Et n'oubliez pas, vous pourrez remporter l'un des trois disque dur MyCloud d'une capacité de 2 Tera offert par notre partenaire WD en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On refait le Mac épisode 145 live Apple iPad Event. N'oubliez pas notre concours, il est là, le disque dur WD MyCloud à remporter à la fin de cette émission. Il y a 3 exemplaires à remporter, un pour ceux qui répondront en direct ce soir et les autres pour ceux qui regarderont l'émission en replay. On sait que vous êtes nombreux, donc on ne défavorise personne. Du côté de nos invités ce soir, une fidèle, on l'adore, vous le savez, c'est Fanny Bouton de fannysparty.com et de melty.fr. Bonsoir Fanny. Bonsoir, bah écoutez, ce sera de la campagne aujourd'hui. Hein, oui, tu n'es pas avec moi en studio, tu nous manques ce soir Fanny. Non, mais je suis sûre que la DSL va tenir pour que je vous tienne compagnie toute la soirée. Alors regardez, ça a inspiré notre ami Steph Cartoon. Regardez la petite image qu'il vous a réservée pour vous, effectivement. Fanny s'est cachée au fond du jardin. Merci Steph Cartoon, notre caricaturiste de talent. Autre chroniqueur, autre habitué dont refait le Mac, un historique, Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage flouté ce soir. Bonjour Monsieur X. Oui, visage flouté, c'est ma nouveauté. J'espère que ça va inspirer Apple. Ouais. Et puis, pour nous donner des nouveautés, bien sûr. Ça sent bon la liste de Noël quand même, ce nouveau kit. Tu as des infos avant tout le monde, c'est ça? Non, mais j'ai économisé un petit peu, on va voir si ça valait le coup. Bien. Autre habitué, autre historique dont on fait le Mac, c'est bien sûr Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur, également duplex de Skype. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier, salut à tous, et aussi consultant pour les grands groupes, t'oublies toujours de le dire. Mais c'est pour que tu le dises et que ça sort, ça, voilà, que les gens comprennent aussi. Naturellement. Voilà, c'est de la pub, c'est tout ça, c'est prévu, c'est planifié, c'est, tout est écrit, regardez, tout est écrit. Mais si je suis un petit beauté, groupe, Olivier, mais que j'ai beaucoup d'argent, est-ce que je peux t'appeler quand même? Alors celui qui vient de parler, c'est Cédric Ingrand, notre autre chroniqueur que vous retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, journaliste à LCI, bien entendu, et présentateur de plein d'écran. Bonjour Cédric, comment ça va? Bonjour. Live from my placard. je sais pas. Aujourd'hui, ce soir, j'ai des fulgurances. J'ai l'impression de déjà savoir ce qu'Apple va sortir. Donc le mieux, c'est que je vous en parle pas. Voilà. Autre invité, mais cette fois-ci en plateau avec moi, à mes côtés. Vous le connaissez
avez déjà, vous l'avez vu à plusieurs reprises dans On refait le Mac, bien sûr. Il s'agit d'Emmanuel Pampuri des Machineurs. Bonjour Emmanuel. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors on te connaît pour ton savoir-faire, à savoir produire des films, les monter, les réaliser, toute la chaîne, on peut dire aujourd'hui, pour produire un film avec les Machineurs, ou des vidéos, ou des documentaires. Tu es aussi un blogueur très connu avec Pampuri.net pour l'actualité des caméras notamment. L'actualité des caméras et de qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, qu'elles fassent des images de toutes les tailles, et de toutes les résolutions. Couleurs, de toutes les résolutions. Et tu nous réserves des surprises, je crois, pour les coups de cœur tout à l'heure, mais n'allons pas exactement trop vite. Et notamment, tu es là ce soir pour commenter ce qu'on attend ce soir, qui serait certainement la nouveauté que les macophiles attendent le plus de peut-être ce soir, c'est l'arrivée possible d'un Mac Pro, la machine professionnelle. La machine. Alors tu vas nous dire si elle est suffisamment taillée pour les besoins des pros, notamment de la vidéo, et puis si tu es prêt à investir, si elle arrive ce soir et surtout à un prix raisonnable, telle est la question. Autre chroniqueur que vous avez déjà aperçu dans Refait le Mac, il s'agit bien sûr d'Ulrich Rosier de Frandroid qui diffuse également cette émission ce soir. Merci à toi. Bonsoir Ulrich. Bonsoir, bon, moi je suis là pour contrebalancer parce qu'il y a un peu trop de macophiles. Voilà. Et du coup j'ai ramené. Il y a Cédric hein, qui a quand même un peu picousé à Android. Hein. Non, mais on est toujours. J'ai un iPad ici, un iPhone là, un MacBook devant moi, je sais pas ce que bon, bah, alors moi c'est l'inverse. J'ai pas que ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu nous j'ai la nouvelle Nexus 7 par exemple, j'ai également la nouvelle Surface 2 de Microsoft. Ouais. Et puis je vais vous parler aussi de Nokia qui vient de présenter des grands écrans. On va en parler dans un instant. Alors qu'est-ce que tu utilises tous les jours parce que qu'est-ce que voilà concrètement pour concrètement en ce moment en ce moment je teste beaucoup de montres connectées mais il y en a aucune qui m'a convaincu donc j'en ai ramené aucune. Donc voilà il y a donc peut-être Apple va en présenter une ce soir. En tout cas il n'y a pas urgence que la concurrence reste relativement faible. Je pense pas mais bon on verra. Ouais. J'utilise un Galaxy Note 3 qui est une phablette qui est la phablette référence du marché. J'ai la nouvelle Nexus 7. Tablette 7 pouces qui est la vraie concurrente de l'iPhone. Qui a été présentée il y a quelques semaines par Google, voilà. On va en parler tout à l'heure. Et puis, j'utilise aussi un iPad mini, il ne faut pas tricher. C'est une très belle machine. Et j'ai la Surface 2, comme j'avais dit, la Surface 2 qui vient d'être présentée sous deux formats, la RT, qui est la Surface 2 sous Windows RT 8.1, et la Surface Pro 2, qui est sur du Aswell. En 10 pouces. Qui est plus la version pour Ultrabook. PC portable. Ultrabook convertible. Donc tu l'as dit, tu es là pour essayer de ramener les annonces Apple par rapport à l'état de l'art du marché Android et Windows. On va voir ce que va nous présenter ce soir Apple dans un instant. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à quelques minutes maintenant de l'arrivée sur scène de Tim Cook qui va nous présenter les nouveaux iPads. Avant de lister ensemble les dernières rumeurs qui permettraient de savoir qu'est-ce que pourrait présenter ce soir Apple à San Francisco, on va faire un point avec toi, si tu es d'accord, Ulrich, pour parler de l'annonce qui a d'ores et déjà été faite par Nokia. Ce matin, Nokia a présenté surprise, non pas uniquement des téléphones, mais une tablette. Ça y est, Nokia se lance dans le marché des tablettes. C'est un lien certainement au rachat par Microsoft. Voilà, effectivement, Nokia a présenté trois grands écrans, deux phablettes, une milieu de gamme, une haut de gamme, et également une tablette. C'est la Lumia 2520 sous Windows RT, donc c'est assez proche de ce que tu nous as expliqué en entrée de gamme de la Surface 2, c'est ça? Effectivement, c'est une tablette qui est propulsée par du Qualcomm, donc la même chose qu'on trouve sur les smartphones. Ouais. On retrouve également un clavier détachable qui peut servir de protection, un donc, écran... Voilà, même philosophie. Que la tablette de chez Microsoft. C'est la concurrente de la Surface qu'on appelle la Surface 2 sous Windows RT 8.1. C'est le même système, même écran, mais c'est Nokia. Ouais, un peu et c'est plus intéressant fun, parce que finalement Microsoft maintenant s'auto-cannibalise. Je ne sais pas si s'auto-cannibalise, mais remplit ce marché en tout cas. Ce cannibalisme, ça suffit. Alors, en termes de design, il y a quand même des petites. Ils font un peu plus flashy, un peu plus original. Bah, ils reprennent le design du Lumia, c'est-à-dire d'une unibody. Vous connaissez ça sur Mac. Mmh. Donc là, c'est du plastique. On retrouve toutes les couleurs qu'on peut avoir sur les Lumia. Et c'est peut-être ce qui manque à Apple, un peu de couleur aussi. Mmh, oui. Ça arrive, tu as vu sur le 5C, mais apparemment, ça ne se vend pas très bien. Mais, mais n'allons pas trop vite. Concrètement, le prix de cette configuration, pour qu'on compare avec ce que va présenter dans un instant Apple. Le prix, on est à peu près comme la Surface, c'est-à-dire 499 dollars, donc on sera à 470-480 euros, je pense, en francs. Mais, comme la Surface. Alors, messieurs, revenons à l'actualité du jour, à savoir Apple. D'abord, le lieu choisi par Apple pour faire
Cette conférence, elle n'aura pas lieu comme il y a un mois déjà, lorsque Tim Cook a présenté l'iPhone 5S. Et l'iPhone 5C, elle ne va pas avoir lieu à Cupertino, dans cette salle assez intimiste, mais où finalement il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes. C'est dans un lieu beaucoup plus grand, le Yerba Buena Center à San Francisco. Monsieur X, c'est un signe avant-coureur que ça va être une conférence avec beaucoup d'annonces. Beaucoup d'annonces, je ne sais pas, j'espère en tous les cas, beaucoup de monde, hein, parce qu'effectivement, le Yerba Buena Center, c'est beaucoup plus grand. Ça veut peut-être dire aussi que les produits qu'on va voir sont peut-être vraiment finis et qu'ils utilisent le Yerba Buena Center pour, après le keynote, utiliser les espaces, les coursifs pour faire beaucoup de démonstrations et vraiment essayer de montrer et de faire toucher leurs produits à un maximum de journalistes pour avoir un maximum d'impact. Donc de retomber. Ouais, c'est plutôt le signe que les produits qu'on va voir sont finis et prêts à être mis entre les mains de tous pour des démonstrations après la keynote. Le signe peut-être un petit peu moins favorable, c'est que quand c'est fait à Cupertino, vraiment au cœur de la maison Apple, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'une très très grande confidentialité et c'est plus un signe, on va dire, de surprise potentielle. Yerba Buena Center, moins, donc on verra. Qu'est-ce que tu as pensé du carton d'invitation qui a été envoyé par Apple? Alors chaque fois, Apple essaie de glisser un message caché. Il t'a inspiré quoi, ce carton très coloré que l'on peut voir à l'écran? Cédric, si on peut ouvrir son micro. Non, je déconne, le son marche très bien. Le carton, je ne sais pas, il est très coloré comme toutes les invites d'Apple. Alors, il y a un truc qu'on oublie dans le mix, c'est un peu comme le mix énergétique chez Areva, tu vois. On dit, bon, alors il y aura un peu de MacBook, de beaucoup d'iPad. On évidemment, on va arriver aux iPads. On a totalement oublié les iPods. Oui, c'est vrai, mais il n'y aura pas d'iPod. Il peut y avoir un refresh d'iPod, on ne sait pas, c'est la saison. C'est tous les deux ans, même, Cédric, maintenant, c'est les iPod. Voilà, c'est ce qui est tous les deux ans. Ouais, en gros. Non, tous les ans, normalement, il y a un petit événement iPod. Et surtout, c'est un peu maintenant ou jamais, parce que l'iPod, c'est quand même très, très saisonnier. Donc voilà. Mais non, l'invite, je t'avoue qu'elle ne m'a pas inspiré grand-chose de plus que ça, vu qu'on connaît vaguement le contenu. Les seules choses qu'on ne connaît pas, c'est les surprises éventuelles. Concernant les rumeurs possibles, vous savez bien ce qui est en tête de liste, c'est bien sûr l'arrivée des nouveaux iPads. Donc, on pense bien sûr à l'iPad 5. Ce qui devrait arriver et qui peut être lié justement à cette ébauche, à cette myriade de couleurs qu'on voit sur le carton d'invitation, c'est enfin la couleur côté design sur les iPads. On pense notamment au Gold. Gold is best. Monsieur X, tu crois à l'arrivée d'un iPad peut-être 5 ou un iPad mini, qui adopterait la couleur chère à notre ami Rafi, le nouveau designer en chef de chez Apple? Non, c'est une blague. Non, j'y crois pas, mais j'en ai très très envie, parce que je pense que effectivement, ça donnerait pas mal de créativité au VP Gold d'Apple qui est apparu avec l'iPhone 5S Gold, et on rigolerait bien, mais non, j'y crois pas, ça serait un petit peu too much. Toi, tu penses qu'ils vont pas y aller? Non, je pense plutôt, c'est mon pari, qu'ils vont, comme sur l'iPhone 5C, faire des coques de couleurs pour les iPads mini qui reprendraient en fait les couleurs, de l'iPhone 5C. Donc, ce serait dommage. Quand tu as dommage parce que le gros avantage de l'iPad mini, c'est son extrême finesse qu'on n'a même pas sur l'iPad Retina, évidemment. Donc ce serait dommage de casser cette finesse juste pour lui mettre de la couleur. Ouais, c'est peut-être les nouvelles covers. Quand tu as l'intitulé que j'ai plus en tête du carton cover, on peut penser aussi au smart cover d'Apple. Donc on va voir. Autre piste très sérieuse, belle avancée de l'iPhone 5S, c'est le capteur biométrique qu'Apple appelle Touch ID. Là, aujourd'hui, il n'y a rien qui... Enfin, ce serait logique qu'au moins l'iPad 5, la cinquième génération, l'adopte. Oui, ce serait logique, d'autant que le surcoût doit être à peu près nominal. Donc, voilà, oui. Et puis, il faut arriver à insuffler un peu de nouveauté. Hein. On l'a vu ce matin. Il faut, Cédric, créer une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe dans le monde Android. Et là, je me tourne vers Ulrich. Là, c'est une belle valeur ajoutée. Est-ce qu'il existe aujourd'hui ce type de capteur aujourd'hui dans le monde Android? Il existe un capteur sur le HTC One Max, qui est la phablette de HTC qui a été présentée il y a quelques temps. Qui est au dos, et qui arrive sur le marché. Oui, c'est au dos et elle est intéressante. C'est pas du niveau d'Apple encore, mais par exemple, il y a des petites choses où on peut configurer une action par doigt.
C'est pas pratique en main, mais ça existe. Concernant l'iPad mini, donc, on le disait en préambule de cette émission, Ulrich, aujourd'hui, tous les modèles que tu as quasiment là adoptent des écrans vraiment haute résolution type ce qu'Apple appelle le Retina Display. C'est le cas aujourd'hui. En clair, Apple n'a pas le choix que de faire évoluer son iPad mini vers ça. Sur les écrans 7 à 8 pouces, là, c'est le cas de la Nexus 7, qu'on appelle la nouvelle Nexus 7 2013. On a un écran qui est 1080p sur un format 7 pouces. On a également l'écran 1080p qui a été adopté par LG sur la LG Pad 8.3. Et on retrouve cet écran 1080p sur les formats 7-8 pouces chez pas mal de constructeurs. Et aujourd'hui, c'est la norme, j'ai envie de dire, pour les tablettes haut de gamme, 7-8 pouces, mais pas vraiment haut de gamme, parce que c'est sur des prix autour de 200 à 400 euros. Donc si on te comprend bien, c'est pas savoir si Apple a le choix ou pas, et au-delà, si Apple a les capacités de le faire, elle n'a pas vraiment le choix. Hein. Il faut qu'elle suive la tendance du marché pour rester compétitive par rapport au monde Android. Au niveau des caractéristiques. L'autre avancée qu'on attend ce soir, c'est l'arrivée de nouveaux Mac. Moi, je n'ai pas le retour sur mon iPad. Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Et les nouveaux Mac, c'est bien sûr des nouveaux MacBook Pro 13 pouces Retina, Mac Mini et surtout le Mac Pro. Est-ce que tu y crois, Monsieur X, l'arrivée de ce Mac Pro ce soir, Monsieur X? Ah bah oui, parce qu'il serait quand même plus que temps. Et puis, vu toutes les nouveautés matérielles qu'il y avait dans ce produit qu'on avait découvert au keynote précédent, il faut un nouvel OS, donc il nous faut cette nouvelle version de Mac OS 10 qui est Mavericks. Donc les deux sont mûrs et devraient être présentés ensemble pour nous donner notre nouvelle machine de rêve. Reste à voir le prix qui est un peu la grosse polémique de cette nouvelle machine. On espère être agréablement surpris, mais j'ai un peu des doutes sur ce sujet. Tu penses vraiment que ce soir, c'est un peu tôt? Donc la conférence commence à San Francisco. Merci, j'ai un super assistant de luxe avec moi qui me prépare mon iPad. C'est le grand bonheur, merci. Peut-être que j'appuie sur Play, regarde, ça marcherait mieux. Ouais. Concrètement, le Mac Pro, Emmanuel, tu y crois, toi, ce soir? Il y a quand même un impératif. Ça fait quelques mois que le Mac Pro n'est plus disponible sur le site d'Apple, donc il faut vendre. Ça fait même plus que quelques mois, en tous les cas en France et en Europe. D'après ce que j'ai cru comprendre, les stocks dans les boutiques et sur le store aux US étaient aussi au plus bas. Donc on a de... Ouais. Voilà. Il arrive. Voilà. C'est une couple qui a tweeté à 18h30 et qui semblait surexcité. Bah écoute, je lui souhaite bien. Il est aussi excité. Une fois par an, c'est plutôt pas mal. Aussi excité que nous. C'est dommage que moi je sois en retard, je puisse pas avancer, mais c'est pas grave. Autre possibilité pour conclure sur la rumeur, l'Apple TV, pas de mise à jour majeure depuis un moment. Vous y croyez également, Cédric? Non, moi je crois plus en rien sur Apple TV et le reste. Eh ben, c'est ton ADA, hein, l'Apple TV, souviens-toi. Hein. Bah oui, voilà. Et le problème, c'est que once bitten, twice shy, comme on dit. Il paraît qu'il pourrait y avoir une mise à jour, mais les gens ne sont pas sûrs parce que ça pourrait être en fait une mise à jour du Mac Mini dans un format plus petit et aluminium. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La seule vraie mise à jour, alors sur l'Apple TV existante, qu'on pourrait attendre, ce serait l'arrivée des apps. Parce que là, tout à coup, ça mettrait une belle claque sur une plateforme qui, là, maintenant, pourrait supporter des jeux très bien, enfin, à l'identique de ce qu'on a sur les tablettes, en gros, parce que c'est quand même, pour l'essentiel, les mêmes plateformes. Voilà, maintenant, la télé d'Apple, je pense que ça ne va pas encore être pour cette année. Voilà, on loue pas grand-chose, je vous rassure, à San Francisco. Donc, ça a commencé par une vidéo la même que celle qu'il y avait en introduction de l'iPhone 5S, hein, une vidéo de marque, une vidéo qui célèbre la culture Apple. Et en ce moment, notre ami Tim Cook part de l'iPhone. Parlons de l'iPhone, nous aussi, messieurs, si vous êtes d'accord en termes de chiffres. Les chiffres qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était les chiffres qu'avait publié Apple lors du premier week-end de commercialisation de l'iPhone 5S et 5C. 5 millions l'année dernière, 9 millions pour le premier week-end, 9 millions pour le premier week-end cette année pour le 5C et le 5S. Il n'est disponible que dans 11 pays. Est-ce que c'est une performance par rapport aux chiffres précédents, par rapport aux années précédentes, mais on sent bien que l'iPhone 5C, il a du mal. On va voir ce que va dire Steve Jobs. Non, Tim Cook. Quel est votre sentiment, Monsieur X? Breaking news. Oui, c'est une performance d'Apple. Hein, c'est 9 millions d'iPhone vendus en un week-end. C'est le plus beau et le plus gros lancement. Mais on pourra tirer une conclusion dans 3 mois de cette histoire. On sait maintenant de manière sûre que les iPhone 5C se vendent mal. Il y en a en stock un petit peu partout. Les opérateurs commencent à faire des discounts. On aurait pu croire Apple que c'était le bon prix pour le bon produit, sauf qu'il n'y a pas assez d'écart
En termes de fonctionnalité entre le 5C et le 5S. Donc, quitte à payer un produit cher, les gens se ruent sur le 5S et c'est pour ça que le 5S est en rupture. Donc, ils sont en passe quand même de rester avec des 5C sur les bras et c'est 9 millions le week-end de départ. C'est certainement l'arbre qui cache la forêt. Pour la première fois de l'histoire d'Apple, on va peut-être avoir le droit dans le même trimestre au lancement de nouveaux iPhones et période de Noël faisant. Aux premières soldes sur les iPhone 5C, ce qui là sera un retour de flamme après ce succès, un petit peu trash. Ouais, surtout que le problème, c'est qu'Apple a du mal à fournir le 5S qui pose un gros problème. Et pour un champion de la supply chain comme Tim Cook, puis c'était son métier, hein, c'était son poste avant de prendre la direction d'Apple, ça fait un peu tâche. Brièvement, les Apple Store, puisqu'il y a un magnifique clip qui passe en ce moment à San Francisco, je ne sais pas si on peut montrer les images. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, messieurs, alors que Tim Cook est revenu sur scène. L'actualité concernant l'Apple Store, c'est la nomination d'un nouveau dirigeant des Apple Store. C'est Angela Ahrens. Ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est Angela Ahrens. C'est la PDG de Burberry, une marque de luxe, de haute couture. C'est une surprise, monsieur X, ce choix-là, qu'un président, qu'une présidente qui est la PDG, dirons-nous, la plus payée de Grande-Bretagne, quitte Burberry pour être, entre guillemets, sous la coupe de Tim Cook. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce choix-là de carrière? Et au-delà, il y a un énorme chantier du côté des Apple Store. Ouais, alors, bon, pour moi, c'est une surprise. Alors, je suis peut-être le seul à être surpris, mais je trouve quand même l'univers de Burberry très, très loin de l'univers de marque d'Apple. Je pense qu'ils sont allés la chercher pour deux choses. D'abord, ils ont du mal à renouveler le poste de patron ou de patronne des Apple Store. Hein. Ils sont allés d'échec en échec. Le patron est parti, ils en ont trouvé un autre, il est parti, ils en ont trouvé un troisième, il est parti aussi. Donc ils se cherchent un peu et ils ont besoin de donner presque un an, monsieur X, depuis le départ de John Brouette, et non pas Brouette, maintenant, en octobre 2012. Oui, absolument. Donc là, il y a eu quelques ratés. Maintenant, sur le papier en tous les cas, on peut se dire, je vois mal la patronne de Burberry's apprendre quelque chose à Apple sur les magasins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Burberry's a renouvelé récemment ce qu'on appelle son expérience en magasin, où au-delà de l'agencement, de la manière dont ils présentent les collections, de la manière dont ils accueillent les clients, ils sont très connus, pourraient avoir été les premiers à donner à leurs vendeurs en magasin la capacité à accéder à l'historique de vente complet du client. Même plus que ça, au-delà de l'historique d'achat et de vente du client, à son historique sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, dans certains magasins Burberry's, quand vous rentrez dedans, Burberry's en temps réel, c'est ce qu'on appelle le fameux phénomène du big data, a été récupérer votre historique d'achat, votre historique de publication, si vous les laissez faire sur les réseaux sociaux, et à partir de l'ensemble de ces données, est capable de dire, tiens, a priori, cette personne-là, on va être capable de lui faire des recommandations personnalisées pour acheter tel nouvel habit ou tel nouveau service. Et ils sont vraiment en avance sur tout le monde chez Burberry's, et je pense que c'est ça que va chercher Apple. Petit récapitulatif, vous voyez la vidéo en même temps que moi, on peut rester sur ce plan-là quelques secondes si vous voulez bien en régie, il n'y a pas de souci. Avant de parler du Mac, donc l'iOS 7, 200 millions de personnes qui ont switché déjà, mais ça on le savait déjà en un week-end, donc c'est une belle performance, 75% des utilisateurs qui sont déjà sur iOS 7. D'après ce que j'ai compris, 13 milliards, c'est le chèque qui a été versé aux développeurs depuis la création de l'App Store il y a quelques années. Voilà, et on arrive enfin au cœur de résistance, à savoir les Mac. On va voir si notre ami Tim Cook va donner des chiffres concernant les Mac, alors qu'en ce moment, il parle du MacBook Pro 13 pouces Retina qui a été annoncé il y a un an. Mais avant de parler de la machine en elle-même, je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres avant que ça commence. Messieurs, si vous avez bien révisé cette émission, il le fallait, je vous l'avais demandé. Jusqu'à maintenant, Tim Cook se félicitait des résultats de vente de Mac qui étaient supérieurs par rapport au PC d'une année sur l'autre. Ce n'est plus le cas selon IDC, si on regarde les courbes de marge de marché d'IDC. C'est la phase 10 ans que le Mac progressait plus vite que le PC, plus maintenant. Les ventes du troisième trimestre seraient en baisse par rapport à la même période de l'année 2012. Là où les ventes de PC restent stables, voire augmentent légèrement. Regardez cette courbe, on voit que HP ça augmente de 2%, que Dell ça reste stable, qu'Apple ça passe de 14,2 à 13,4, Lenovo augmente beaucoup de 6,7 à 10,5 et enfin Toshiba qui progresse près d'un point.
Qu'est-ce qui se passe, Monsieur X ? Sincèrement, c'est un peu le flou, hein, quand même, aujourd'hui pour moi, sur ce sujet-là. Cédric, il monte sur scène. Alors qu'on va parler d'OS X dans un instant. Concrètement, Cédric, est-ce que c'est un problème tarifaire, selon toi ? C'est un essoufflement de gamme ? C'est la stratégie de Microsoft avec le tactile qui commence à fonctionner alors qu'Apple a prié sur les Retina ? Comment tu perçois cette inflexion, voire cette baisse ? Je pense que quand on dit les tablettes ont fait beaucoup de mal au PC, ce qui est une sornette, parce qu'en fait, quand une tablette arrive, je parle en entreprise, en remplacement de quelque chose, c'est en remplacement du papier ou de rien. Donc, c'est rarement en remplacement d'un PC. Mais il n'y a pas de raison que ça fasse moins de mal au Mac qu'au PC. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, que c'est là soit pas parallèle, donc et puis finalement tu sais, c'est des machines qui marchent bien, donc le besoin de renouvellement est moins évident, surtout depuis par exemple que sur le MacBook tu as des machines avec des Core i5, Core i7 qui font que voilà quoi, 2, 3, 4 ans après, si la machine fonctionne encore, il y a vraiment pas besoin de la changer, surtout vu le prix investi dans l'achat de la machine, tu as quand même pas tendance à en changer tous les ans. Donc voilà, mais j'ai pas d'explication plus satisfaisante que ça. Alors que Craig Federighi, donc le responsable de sur scène. Fanny, quelle est ton opinion par rapport justement à la baisse des ventes? Moi, c'est pas une opinion, j'ai une question. Twitter, on nous demande justement, est-ce qu'Apple ne serait pas le nouveau Microsoft, c'est-à-dire une entreprise devenue conservatrice? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il innove moins. Ça fait un bout de temps qu'on Emmanuel. Se pose la question. Ouais. Ça fait un bout de temps qu'on se demande si la tendance n'a pas été inversée et s'ils n'ont pas basculé du côté obscur de la force. Non, il est à côté de toi, le côté obscur de la force. Ah, pardon. On verra à la fin, on fera un bilan à la fin de cette émission. Mais c'est vrai que, en termes d'innovation et en termes de choix stratégiques, on verra au long terme qui aura raison. Est-ce que le Retina, c'est plus fort qu'un écran tactile? Je ne sais pas. Mais moi, personnellement, l'écran tactile sur un Mac, vous le savez, ça me plairait beaucoup. Alors, on va avancer par rapport au déroulé de la keynote. Vous voyez que Craig Federighi est sur la scène du Yerba-Buena Center. Il va faire donc certainement une démonstration de Maverick. C'est la dernière version d'OS X qui a été dévoilée récemment lors de la conférence des développeurs en juin dernier. Il insiste beaucoup actuellement sur le fait que Apple arrive à progresser et proposer des évolutions qui ne sont pas forcément visibles d'ailleurs, beaucoup plus intéressantes que la concurrence, puisqu'il y a une vraie interaction entre le logiciel et le matériel. Ça se voit notamment au niveau de l'autonomie. Si j'ai bien lu en diagonale, en même temps que je vous parle ce qui se passe, c'est pas évident de suivre la keynote. En même temps, c'est un vrai avantage aujourd'hui de maîtriser le hardware et le logiciel aujourd'hui, Monsieur X, vous qui étiez au sein d'Apple et auparavant vous étiez au sein d'un autre grand constructeur de PC. Oui, c'est un vrai avantage. D'abord pour optimiser l'ensemble entre le matériel et le logiciel, et puis après pour faire ce que Apple fait extrêmement bien sur les plateformes iOS, c'est-à-dire développer un écosystème. Donc on maîtrise la chaîne de bout en bout. Et puis pour les utilisateurs, moi je le pense en tous les cas, le premier bénéfice c'est d'avoir une meilleure qualité d'intégration, donc moins de bugs, plus de facilité d'utilisation. Donc ça, on en voit bien toute la puissance avec iOS, les iPhones, les iPads. Oui. On en voit quand même moins la puissance sur le Mac, parce que pour moi, Apple délaisse un petit peu macOS 10 depuis quelques années. Alors peut-être pas macOS 10 vraiment au niveau du système d'exploitation, mais surtout les logiciels qui viennent avec. On a déjà eu cette polémique, iLife n'a pas bougé, iWork n'a pas bougé, le passage des applis d'Apple dans le cloud est vraiment timide, et cette puissance de la combinaison du hard et du soft, on la voit plus trop sur le Mac comme on le voyait avant. Donc j'espère que Maverick va leur permettre de renouveler ça et pas uniquement se focaliser sur ça y est, Maverick marche avec le nouveau Mac Pro, ou ça y est, Maverick est en flat design, parce que ça n'apporte pas vraiment quelque chose fonctionnellement. Emmanuel et après Ulrich. Il semblerait qu'on ait des indications qui confirment un peu ce que tu réclames, puisque ne serait-ce que la gestion de la mémoire compressée, toutes ces nouveautés sur la partie. La gestion de la mémoire vidéo aussi, qui serait dynamique maintenant. On sent qu'ils ont revu le moteur et pas uniquement la partie cosmétique. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va arriver vers quoi ? Vers une tablisation du Mac ? Peu à peu, on prépare la fonderie pour ça, selon toi, Emmanuel ? Je pense qu'il y a moi, je pense qu'on est dans une phase d'optimisation, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à présent cédé à des tentations plutôt esthétiques et plutôt
de confort utilisateur au détriment de la réelle bonne utilisation des ressources. En effet, c'était ce que faisait très très bien Apple, c'est cette adéquation quasiment parfaite entre l'OS et le hardware. Et là, on sent qu'ils ont vraiment bossé dans ce sens-là. Mmh. En tous les cas, par rapport aux annonces qui sont faites actuellement sur scène, moi je suis assez enchanté, notamment par la gestion de l'OpenCL par les puces Intel, mmh. Ce qui était une vraie galère pour les gens qui faisaient du graphisme. Ah. Avant de donner la parole à Ulrich, un petit point sur ce que présente notre ami Craig Federighi. Il présente iBooks, c'est bien ça ? Bah écoute... Ça n'a pas l'air bien passionnant. Ouais, ça n'a pas l'air bien passionnant. Il y a une démo qui est en cours avec effectivement iBook dans Maverick. Bon, apparemment, il prépare un exposé pour l'école sur la planète Mars et donc il est bien content d'avoir le nouvel iBooks qui permet de draguer et dropper du texte directement dans iWorks, voilà, dans Pages, pardon. Mmh. On a vu quand même qu'il y avait des évolutions, Monsieur X. On a vu que, notamment en matière d'interface entre Mountain Lion, c'est dur à dire, et Mavericks, l'interface avait tendance à se lisser un petit peu, mais on ne prend pas un virage radical comme a pu prendre iOS 7 avec l'adoption du flat design. Non, on n'en est vraiment pas là. Bon, il y a cette optimisation des ressources là, qu'on vient de voir, dont parlait Emmanuel. Là, on saute tout de suite sur une fonctionnalité qui est iBook, mais ça me semble un petit peu décousu. Mmh. Et il n'y a pas, en tous les cas, avec Mavericks, là, une remise à plat comme on l'attend. C'est une amélioration et c'est déjà pas mal. Mais pour l'instant, rien d'extraordinaire à ce stade. Hein. Alors, je viens juste de voir qu'il paraît qu'il y a une nouvelle icône eWork et eLife qui est dans le doc. Voilà, donc apparemment, dans la démo qu'il est en train de faire, si on peut voir sur le plan large, notre ami Craig Federighi, en bas, dans la barre d'OS 10. Ça vaut le coup de faire un streaming mondial quand même sur Akamai pour ça. Hein, pour une nouvelle version d'iWork, waouh. Mais bon. Et de iPhoto. Donc, oui, d'iPhoto, on va voir ça. Et là, on c'est clair que sur le fait qu'ils n'ont pas mis leur chemise dans le pantalon. Ouais. Ben. Ouais, mais maintenant, on est dans les 20 minutes de buffer, c'est-à-dire de trucs qui ne servent à rien, qui servent à faire l'état de l'union. Regardez, on a un joli Apple Store. Juste pour être sûr que, surtout là, il y a un live, que les gens regardent bien. Ouais. Souvenez-vous, il ne se passe jamais rien avant 10h20. Ouais, c'est normal. Et Federighi, quand même, fait une démo en utilisant Message. Oh, c'est comme le journal de TF1. Qui est quand même une techno qui n'a pas évolué depuis 3 ans et qui ne marche toujours pas. On est loin du rêve là à ce stade. Alors il y a eu quand même quelques... Donc pour l'instant, on est bien d'accord messieurs, dames, il n'y a pas d'évolution majeure de l'interface de Mavericks. D'ailleurs, Craig Federighi n'insiste pas sur ce thème-là. Il va falloir certainement attendre OS 11 l'année prochaine. L'année prochaine, on devrait assister à un vrai virage du côté Mac et que je dirais qu'on assiste à une harmonisation d'interface entre iOS 7 Flat Design et OS 10. Cédric, Rodrigo, c'est un souhait de ta part ? Ce qui serait super logique, en fait, c'est que je ne sois pas bloqué sur mon Mac Pro à OS 10.7.5 parce que j'ai malheureusement acheté mon Mac il y a trop longtemps, donc je ne suis plus supporté par Apple, tu vois ? Je comprends. Ça, je doute que ce problème-là s'arrange. Si, il va s'arranger. Tu vas acheter un nouveau Mac Pro. C'est comme mon premier iPad, il ne s'upgrade plus, tu vois, je suis en iOS 5, etc., etc. C'est plus ça qui me fait chier que le flat design qui est très... Il a 3 ans et demi. Alors, justement, les seuls éléments qui nous permettent de vérifier effectivement qu'Apple glisse doucement vers du flat design, c'est le calendrier ou encore Google Maps, qu'on voit à l'instant, ouais. Qui est intégré à OS 10 Mavericks désormais. On voit bien que l'interface s'est aplatie, mais ça reste encore très discret. On verra dans les prochaines versions s'il y a une évolution. Parlons de Google Maps, c'est la principale nouveauté. Non, c'est pas Google Maps, c'est Apple Maps. Hein, tu as compris, merci Cédric. Oui, ça va mieux en le disant. C'est mieux le disant. La principale évolution, on le voit, donc c'est l'arrivée de la 3D sur le Mac aussi. Alors, ça manquait pour pouvoir concurrencer Google qu'il n'y ait pas un équivalent de Maps sur Mac. Quelle est, selon vous, aujourd'hui la principale valeur ajoutée de Maps par rapport à Google Maps, avant de donner la parole à Ulrich? Démonstration de flyover, c'est spécifique au monde Apple, ça, aujourd'hui? Je crois que la plus grande valeur ajoutée d'Apple Maps par rapport à Google Maps, c'est qu'Apple, pour Apple en tout cas, c'est qu'Apple Maps n'est pas Google Maps. C'est tout. On est là uniquement sur un truc purement concurrentiel. Ils ont vu l'argent que Google a investi dans ces cartes, parce que c'est monstrueux. Oui, ça fait des années. Bien sûr, l'importance stratégique que ça avait, parce que vu l'intégration des cartes à X centaines, milliers de services,
Et ils se sont dit, ça peut pas durer plus longtemps, on peut pas nous offrir notre flotte de devices, les mobiles, les Mac et le reste, à des gens qui n'ont pas les mêmes buts que nous, quoi. Ouais. Donc on a vu la douleur que ça a causé, et moi pour en avoir parlé à des gens qui ont travaillé dessus chez Apple, le Maps original, ça a été un cauchemar, parce qu'ils sont sur un cycle où tu vois, en gros tout doit être prêt pour la WWDC, après on débug jusqu'à la sortie à l'automne, et après on respire. Sinon que là, le lendemain de la sortie à l'automne, c'était « Oh my God, Apple Maps est bugué, il faut tout refaire !» Donc, c'était reparti jusqu'à Noël. Mais... Ouais, Ulrich, concrètement... Donc voilà, moi, le Maps, c'est le... Oui. Vas-y. Non, la vraie valeur ajoutée, selon toi, aujourd'hui, Google Maps, par rapport à ce que propose aujourd'hui Apple... Moi, il y a deux choses. Il y a la première chose dont tu me parlais, qui est... Mais vas-y, c'est pour ça que je te tends la parole. Qui est la fausse... Oh, Mavericks is free. Ah, ouais, ça c'est une info. J'ai vu aussi, bon, deux secondes sur Mavericks, que les multitudes d'optimisations permettent au système d'avoir une heure de plus en navigation web, d'autonomie. Et puis accessoirement, Maps n'est disponible que sur Mac, là où Google Maps est une version full HTML, dirons-nous, et fonctionne sur toutes les plateformes aujourd'hui. Et Mavericks, c'est disponible maintenant, hein, aujourd'hui. Disponible maintenant, et on peut mettre à jour gratuitement à partir de Snow Leopard. Voilà, ça c'est une première bonne surprise ce soir. Effectivement, Mavericks est arrivé. Je peux faire un petit commentaire. Oui, je termine ma phrase et je te donne la parole, Rodrigo. Mavericks est arrivé donc c'est officiel. On pensait qu'il fallait attendre quelques jours. Il est disponible aujourd'hui et surtout gratuitement. C'est la première fois qu'Apple met à jour, fait une évolution majeure d'OS 10 et le propose gratuitement. Les prix ont fondu d'année en année. L'année dernière, il fallait payer quand même 18 €, ce qui n'est pas grand-chose quand même par rapport à ce que propose Microsoft, mais même si Microsoft avait aussi été très agressif de ce côté-là. Microsoft est quand même à 200 $ encore. Ouais, aujourd'hui, avec Windows 8, c'est une belle avancée. Rodrigo, je te donne la parole. Comme tout nouveau produit chez Apple, je vous conseille d'attendre le patch de la version 0.1. Ouais. Avant d'installer, donc 3 semaines. Ouais. Eh ben non. Eh ben non, on va l'installer. Moi, je vais faire ce soir. Là, je vais même lancer la mise à jour tout de suite sur mon MacBook Air. Toute la bande passante d'ailleurs. Voilà. Parce que si c'est gratuit, c'est que c'est un bêta test public en fait. Non, on va arrêter. c'est pas comme Linux, hein. Ouais. Phil Schiller sur scène pour le MacBook Pro. Ouais, il se passe quoi, Monsieur X, sur scène? Ben, Phil Schiller vient d'arriver et va nous parler de MacBook et il commence par parler, enfin, en détail. Du MacBook Pro, voilà. Alors l'année dernière, effectivement, on l'avait dit, Apple avait profité de cette scène pour présenter la nouvelle génération de MacBook Pro Retina, 13 pouces. Après le 15 pouces en juin, Apple avait mis le 13 pouces à jour dès le mois d'octobre. L'accueil avait été relativement mitigé, Monsieur X, de cette machine. Ça faisait très long, puisque tout simplement un signe quand même qui ne trompe pas. Dès le mois de janvier, Apple avait baissé son prix, c'est bien ça. Oui, absolument. Donc, toujours un petit problème de prix en ce moment chez Apple, mais c'est récurrent. Par contre, là, les mises à jour qu'on est en train de voir ont l'air assez bien. Généralisation, notamment, des écrans Retina. Bon, bye-bye pour les vieux, pour moi, comme pour moi. On ne reviendra jamais en arrière sur les lecteurs de CD et de DVD. mais je vais m'y faire. Oui. En revanche, oui, non, il y a les nouveaux processeurs, nouvelles cartes graphiques, ouais, absolument. Évidemment, Phil Schiller qui adore les chiffres annonce que les nouveaux MacBook Pro sont 90% plus rapides. Et puis une vie de batterie à 9 heures. Donc tout ça, ça a l'air très très bien. On attend juste. Moi, je trouve qu'il y a surtout un nouveau code vestimentaire. Ils sont tous en jean avec la chemise sombre dehors. Ils ont arrêté parce que c'est vrai que les précédents, il y a eu des trucs un peu n'importe quoi avec des chemises hawaïennes, des espèces de trucs à motifs. C'était là où je m'étais gentiment moqué en disant attendez, on dirait des vieux messieurs qui n'ont mais pas c'est beaucoup. Vrai, c'est vrai. Et là, tout à coup, ils se sont mis à faire tous comme Tim Cook. Le jean, la chemise noire, et puis fait tout. Voilà. Maintenant que l'ancienne PDG de Burberry rejoint Apple, peut-être qu'il y aura... Il va y avoir gros revamping du style. Juste un petit truc qui est passé là, au travers de nos filets. Ouais. Il semblerait l'OS du Mac soit dorénavant gratuit à vie. À vie? Oui. Ah oui, alors ça c'est une info, ça, effectivement. Il semblerait. Hein, alors, nos amis qui nous suivent, corrigez tout de suite si on nous disons des bêtises sur Twitter, mais on ne peut pas tout suivre en même temps. Oui, en même temps, c'est voilà, tu parlais de convergence avec iOS. Ouais. Bah voilà quoi. C'est un premier élément de convergence, effectivement. C'est assez logique que la convergence commence à se faire par là. C'est vrai que c'est bizarre que tes mises à jour iOS soient gratuites alors qu'il faille que tu payes pour celles du Mac. Et puis, ça leur évite d'avoir à survendre les mises à jour sur le Mac. Tu vois, le truc où on dit il y a 500.
500 nouvelles fonctions, tu regardes really, et te les vendre 24,95. Donc finalement, non, c'est assez normal. Alors, en termes d'avancée de MacBook Pro 13 pouces Retina, donc il semblerait qu'il adopte, on l'avait dit en préambule, les prix baissent. La génération de puces Haswell, que le Thunderbolt 2 cher à Emmanuel pour la vidéo et le 4K notamment, et tout ce qui est montage, débarque aussi sur le Retina, et les prix baissent effectivement. 1499 $ en 13 pouces, on le voit à l'écran, 1299, plus agressif, ça démontre effectivement qu'Apple a compris la menace, que les ventes étaient un peu plus difficiles et qu'il fallait réagir. Emmanuel, moi je suis juste un peu sidéré, ils annoncent 9 heures de lecture vidéo en continu en autonomie. je demande à voir. Ouais, ça serait avec du Retina, une petite révolution quand même, parce que vu mais Haswell derrière, hein. Ouais, c'est du Haswell. Ouais. on avait vraiment enregistré un vrai bond déjà à la rédaction MyCreate avec le MacBook Air. Ça devrait suivre également sur le 13 pouces, vu qu'il est un peu plus gros et qu'il peut embarquer en plus des batteries un peu plus sévères. Voilà, on peut penser que ça suit le principe, même s'il est un peu plus puissant. Du nouveau, et Monsieur X, du côté du 15 pouces également, notre ami Fischler est en train de détailler les mises à jour. Là aussi, une grosse mise à jour sur le capot, hein, surtout, puisque le 15 pouces, c'était ce design qu'on connaissait déjà, qui est maintenant généralisé sur le 13 pouces. Je pense que l'ancien modèle, qui était encore disponible avec le lecteur de GeForce GT750M. Absolument. Nvidia, ça te parle, Emmanuel, cette carte graphique, hein? Ouais, c'est une évolution, donc dernière évolution de chez Nvidia. Je la connais pas particulièrement, mais c'est clair que d'après ce que j'ai compris, en fait, ils ont vraiment tout optimisé comme ils ont. C'est un peu inspiré des technos qui risquent d'y avoir dans le Mac Pro. Mmh. Avec au-delà de la carte graphique, ce qui est intéressant, c'est toujours cette idée du SSD qui est directement branché sur le bus PCI sans passer par le bus SATA, ce qui garantit des performances encore supérieures et des accès disques qui sont assez fulgurants. Alors, du nouveau côté prix, Monsieur X, hein. Ouais, le prix, là aussi, on baisse de 200 euros par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, $100. Voilà, $200, pardon. On était à 2199, on est à 1999. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les machines sont apparemment toutes disponibles aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Puis alors pour ceux qui aiment vraiment le moteur, hein, le chip, c'est pas du Haswell, le chip de chez Intel, c'est du Crystalwell que je connaissais pas. Alors moi, c'est pas pareil ici, c'est Haswell, hein, c'est la génération Haswell. Crystalwell, ouais, c'est un truc qui a à voir avec la gestion de la mémoire. D'accord. Tu peux demander à Ulrich et à moi, on était tous les deux à Intel Developer Forum, à un moment ça finit par rentrer. Mais oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est pas une autre génération de CP. Ouais. En termes de prix aujourd'hui, donc si pour vous donner une idée de la positionnement de prix de la gamme Apple, ça commence à $999, on verra les prix en Europe, et ça se termine pour le MacBook Air, ça se termine à $1999 pour le plus gros modèle de 15 pouces du MacBook Pro Retina. Emmanuel est dans tous ses états, on va parler de Mac Pro. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Mac Pro, Monsieur X? Pour l'instant, il apparaît en fond derrière Phil Schiller, et je pense qu'il va on peut le montrer à l'écran, allons-y, c'est le moment. Détailler le décalage. Luke, je suis ton père. La question, c'est le prix, la seule question qui reste a priori dessus. C'est ce qu'on me dit sur Twitter. Oui, je suis d'accord. Alors, Emmanuel, pourquoi et la disponibilité. On va voir. Pourquoi cette machine est si attendue? Pourquoi tu l'attends? Une fois qu'on t'aura donné le prix, la disponibilité sera moins un problème immédiat. Emmanuel, pourquoi c'est si important pour toi que cette machine arrive enfin? Ah, parce qu'on en a déjà parlé, mais la communauté créative, que ce soit les musiciens, les graphistes, les photographes, les vidéastes, les cinéastes, tout le monde, historiquement, a l'habitude de travailler sur cette plateforme, sur cette machine en particulier. Il y en a qui sont un petit peu, qui par dépit sont partis sur l'iMac ou sur les MacBook Pro Retina, qui sont des machines qui sont très très puissantes. Mais on a besoin dans ces métiers-là de pouvoir brancher telle ou telle interface, de pouvoir brancher telle ou telle stockage avec des volumes de stockage assez exorbitants, et voilà, on a besoin d'une machine qui soit un peu plus ouverte, qui soit plus costaud, et on a besoin de se différencier du matériel grand public aussi, parce qu'on vend une prestation quand on est professionnel. Ça fait des siècles qu'on attend ce Mac Pro. De mémoire, on était autour des 2400 € pour un Mac Pro avant qu'il ne disparaisse des stocks. Entrée de gamme. Hein. Entrée de gamme, on va voir. Si tu cochais toutes les options, on va voir si le prix va être annoncé. Il a été, si je peux me permettre, il a été présenté sous NDA à quelques personnes chanceuses
lors du salon IBC à Amsterdam le mois dernier. Au mois de septembre, ouais. C'est quelque chose qui est assez, remarquable. Ils sont ressortis avec les yeux pleins de lumière, comme j'avais jamais vu quelqu'un ressortir d'une démo depuis très 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 longtemps. Donc on a tous fondé beaucoup d'espoir là-dessus. Ouais. Et a priori, les performances qui sont annoncées actuellement sont au-delà de nos espérances. Alors, comment Apple est arrivé à réduire la taille au maximum de cet engin, hein, par rapport à un Mac Pro? Il est beaucoup plus compact. Il fait simplement, je cherche mes notes, il fait un huitième du volume du Mac Pro. Ils ont généralisé notamment tout ce qui est flash. On va voir si ça aura certainement, on le voit sur l'image, un impact sur les coûts. Flash à gogo, comme c'était le cas sur le MacBook Pro Retina, c'était le cas également sur le MacBook Air. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? Je viens de voir la 12 Go de RAM vidéo. Ça, ouais, ça dépasse. Mais, c'est une belle machine. C'est le truc depuis le début sur lequel ils sont en train de passer le plus de slides, où je te passe toutes les specs, 4 lignes à la fois, etc. Je pense que ça va être très cher. Le Mac Pro va supporter. Bah, attendez, ne vous demandez pas la peau de l'ours avant de l'aide. Moi, je mise sur 10 000 euros. Attends, 1 000 dollars. Tu peux, imagine, 1 000 dollars, t'as rêvé. Ouais. 10 000 dollars. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Tu peux mettre 3 écrans 4K. Olivier, pas tous en même temps. Rodrigo. Oui, je pense qu'on va faire des super affaires d'occasion en rachetant des Mac Pro qui sont beaucoup plus gros, 8 fois plus gros que ce truc-là, et que tu vas pouvoir upgrader sur macway.com et tout ça pour pas cher. Ouais. Je suis pas persuadé. Et tu auras une machine qui sera presque aussi rapide que ce truc. Il y a une techno. Un tiers ou un quart du prix. Non. Il y a une techno qui est complètement verrouillée. La vraie question, c'est quoi le bon prix? Voilà. Mais Emmanuel. On a encore un petit peu de temps. Pas tous en même temps, c'est avec Emmanuel. On est loin, malheureusement, de cette génération de Mac, Rodrigo, où on pouvait aller changer, rajouter une carte processeur et booster les performances. Là, on va peut-être pouvoir faire des choses au niveau processeur et ainsi de suite. Ce qui va être difficile, et là où Apple a complètement verrouillé le truc avec Intel, c'est sur le Thunderbolt. À mon avis, on n'est pas prêt de voir une carte PCI avec une sortie Thunderbolt avant un bout de temps. Alors soyez attentifs, on va vous poser une question avant la fin de cette émission pour gagner ceci. C'est le dernier disque dur de WD, c'est le My Cloud, c'est pour faire votre cloud personnel à la maison. Donc là, une question vous sera posée en fin d'émission. 3 exemplaires à remporter d'une capacité de 2 Tera, soyez attentifs. La réponse, il y a un site qui s'appelle macperformanceguide.com que j'ai présenté plein de fois et qui permet de tuner complètement tous ces ordinateurs, mais en particulier les Mac Pro. Et donc, on trouve, surtout la génération de tours, hein, de Mac Pro, plein d'astuces pour vraiment optimiser. Dans ma boîte, je dois avoir une je ne sais pas, 2999 dollars. Donc, il y avait dit, alors, regardez, on refait le Mac en juin, je dis moins de 3000 dollars. Merci messieurs, au revoir, on termine cette émission. Non, mais c'est la version débutante. Oui, non, mais attendez. Un pros, une carte graphique. Tout à l'heure, on a lancé 10 000 dollars. Thunderbolt 1, Il est disponible en décembre, apparemment, si on peut revenir sur la keynote, il sera disponible en décembre à 2999 dollars. Vous avez le prix, j'arrive pas à lire d'ici. Si on peut avec 12 gigas de RAM. Avec 12 gigas de RAM. Ah là là. De quoi? Non, c'est 2 gigas. Non, 12 gigas de RAM et 2 gigas de RAM vidéo. Voilà, alors 3,7 GHz. Ça, c'est la petite configuration. Pas tous en même temps. On va résumer les specs, s'il vous plaît bien. Donc, 2999 dollars, c'est la version 3,7 GHz avec 12 gigas de RAM. Avec un Dual Fi Pro, donc ça, c'est la carte graphique D300 intégrée. 2 gigas de RAM et 256 gigas de disque dur. SSD, c'est certes pas la configuration la plus exponentielle, mais c'est quand même pas mal, Emmanuel. Non, c'est pas mal. Arrêtons de critiquer. Non, c'est pas mal du tout. Mais, c'est clair. Il y a une petite blague qui est passée sur Twitter. 256 gigas de RAM. Oui, fini, Emmanuel. 256 gigas de SSD, c'est un petit peu mesquin quand même, à 3000 dollars. Ça fait un peu ridicule, surtout pour un pro. Une fois que tu vas mettre juste ton OS, ça fait un montage, quoi, même pas. Tu mets rien, donc tu mets rien. Ton OS, c'est tes applications. Mais c'est, de toute façon, la machine, elle n'est pas prévue pour avoir du stockage énorme en interne, vu qu'on a le Thunderbolt 2 et qu'on va pouvoir mettre justement du stockage assez, assez colossal à côté. En ce moment, il parle de tout ce qui est environnemental, donc ce n'est pas très intéressant. Consommation et bruit. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et tu voulais dire quelque chose, Ulrich? C'est une petite chose assez marrante. C'est quelqu'un qui dit il est tellement sexy, Mac Pro, qu'il devrait être appelé MacPorn. MacPorn, voilà. C'est l'humour. C'est l'humour des geeks, peut-être. Olivier, monsieur X. La rumeur dit que le Mac Pro est disponible aujourd'hui et peut-être même en décembre. En décembre, pardon.
Et que comme Maverick, il ferait une promo et il serait gratuit. Bref. Alors, apparemment. Ça, ce serait très innovant. Ouais. Il insiste. Oui, ce serait très innovant. Il insiste beaucoup sur le niveau sonore. On sait que les Mac Pro avaient tendance à dépoter un max. Il y a une annonce quand même sur une version un petit peu plus costaud avec 1 Tera de stockage et 12 cœurs. Qui sera en dessous de 5 000 $. Donc voilà, ça reste, on est loin des 10 000 euros ou des 10 000 dollars qu'on annonçait tout à l'heure, mais c'est quand même encore très cher, c'est une machine de professionnel. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur X, que ça soit une machine premium pour des geeks fortunés, voire des gens qui ont besoin d'afficher leur réussite sur leur bureau? Ah bah, en tous les cas, des geeks aveugles, quoi, donc des vrais fans de Mac. Non, mais moi, j'adorerais en avoir une. Par contre, je crois que c'est Emmanuel qui l'avait dit, alors peut-être pas dans un épisode dont refait le Mac, mais sur Twitter, et je le rejoins. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que, en termes d'usage, ma tendance est d'éliminer tous les câbles et de faire le plus simple possible, d'accord. Donc je suis devenu un peu réfractaire aux produits dits pieuvres. Et là, on fait machine arrière. En fait, le nouveau Mac Pro, c'est un moteur. Et puis, on va aller mettre tous ces tuyaux, tous ces câbles. Qu'est-ce que ça va donner à terme, tous ces disques durs branchés? Le résultat, je ne le vois pas très esthétique chez moi. Au bureau, je m'en fiche. Ça fait même peut-être sérieux d'avoir des câbles partout. Chez moi, j'en veux pas trop. Ça passe pas ce qu'on appelle le WAF, le Woman Acceptance Factor. Wife Acceptance Factor. On le disait, on y est arrivé à miniaturiser cette machine en faisant du Thunderbolt 2. Il n'y a plus de carte d'acquisition aujourd'hui au sein du Mac Pro, quasiment. Maintenant, tout est externe. Donc, effectivement, ça risque de faire un sacré enchevêtrement sur les bureaux, d'avoir une machine aussi pure, aussi jolie, aussi compacte. C'est un côté, vous avez une tonne de disques durs. Je serais curieux de savoir ce que ça va donner. Ce qui va être très difficile, c'est que les câbles Thunderbolt, pour la plupart, sont très rigides en plus. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir... Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va faire maintenant pour les anciens qui ont une carte d'acquisition pour son Mac Pro? Comment ils vont pouvoir la brancher là-dessus? Il y a des solutions? On a de toute façon de moins en moins besoin de faire de l'acquisition, puisque les caméras, elles, sont passées en mode tapeless, c'est-à-dire avec de la mémoire flash ou des choses comme ça. Pour ceux qui auront besoin encore de capturer des sources analogiques et de brancher des systèmes d'acquisition, il existe, que ce soit chez Aja, Blackmagic, déjà des boîtiers en Thunderbolt qui permettent de faire de l'acquisition vidéo jusqu'au 4K sur le Mac. Voilà. Et après, il y a d'autres domaines, encore la photo, où il y a des gens qui ont besoin de scanner, des choses comme ça. Mais en tous les cas, pour la partie carte... On voit la solution de sonnette à l'écran. Voilà. Pour la partie carte d'acquisition, il y a déjà des boîtiers Thunderbolt et il y a des boîtiers d'extension Thunderbolt dans lesquels on va pouvoir mettre des cartes PCI. Ouais. Et dernier point, avant de récupérer le flux en direct, parce que nous sommes en retard par rapport au flux en direct, la machine, et Cher l'avait lourdement insisté, il insiste beaucoup, ils ont fait un clip. La machine, Monsieur X, est produite par Cupertino, est assemblée aux États-Unis, beaucoup de robots certes, mais quand même aux États-Unis. Monsieur X, votre réaction? C'est une bonne nouvelle, moi je milite pour ça. C'est plutôt les produits haut de gamme, donc la marge est compatible avec une fabrication et un assemblage dans un pays, on va dire, à plus haut coût de main-d'œuvre que la Chine. Donc c'est très très bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont tous les faire aux États-Unis? Moi j'y crois pas pour les questions de souplesse et de capacité. 2000 personnes employées dans 20 différents États. Ouais, on va voir ça. C'est vrai que Apple a beaucoup péché de ce côté-là, donc ils ont beaucoup à se faire pardonner. Politiquement, c'est vraiment quand même une très très bonne Puis ils sont sous pression médiatiquement et politiquement, tu l'as dit, monsieur X, aux États-Unis. Voilà. Alors avant que M. X nous fasse un bref résumé de ce que présente, je ne sais plus qui est en scène. Alors, après Phil Schiller, c'est Eddie Q qui est arrivé sur scène. Alors, Eddie Q, historiquement, c'est le monsieur derrière iTunes. On peut le montrer un petit peu, Eddie Q. Voilà. Et Eddie Q, quand je dis c'est le monsieur derrière iTunes, ce n'est pas tant lui qui a fait le logiciel, mais c'est le monsieur derrière l'iTunes Store. C'est lui qui a monté toutes les négociations avec les majors pour lancer iTunes. Et puis, il a récupéré au fur et à mesure des années. Il a été baronné par Tim Cook. Ouais, absolument. Qu'est-ce qu'il a annoncé concrètement, iLife? Il annonce, et c'est moi là où je suis très content, un update d'iLife. On reste sur lui. Voilà, ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps, avec une nouvelle version d'iMovie, une nouvelle version d'iPhoto, une nouvelle version de GarageBand. Mais pour l'instant, il parle de version pour iOS et sur le Mac, et il démontre les nouvelles versions sur le Mac, avec les outils de création comme Photobook qui arrive sur iPad. Donc là, il décrit la nouvelle version d'iPhoto. Je pense que ça va être encore beaucoup plus de fusion et de clarification entre la version Mac et la version iOS, dont on avait l'impression qu'elles vivaient des vies séparées et c'était
on était un petit peu perdu en tant qu'utilisateur. Je crois qu'il rectifie le tir là, avec la nouvelle version. Alors avant de rejoindre Fanny pour une petite question Twitter, je crois qu'il y a quelques questions concernant le Mac Pro. Je vous rappelle notre concours pour remporter le WD My Cloud. Si vous avez un iPad, vous avez un iPhone, vous pouvez consulter à distance le contenu de ce disque dur. Évidemment, ça marche aussi avec votre Mac. Il fait 2 Tera. Répondez à la question à la fin, qui sera posée à la fin de l'émission. J'y suis arrivé. Et vous pouvez en gagner jusqu'à 3. Soyez attentifs. Fanny, des questions du côté de Twitter. Oui. Alors, bah déjà, la première question, c'est est-ce qu'Emmanuel est content? Est-ce que Rodrigo achètera-t-il finalement le Mac Pro? Et est-ce que ça fait le fait d'avoir un écran 4K connecté, 3 écrans 4K connectés à son ouais. ordinateur, est-ce que ça fait de nous un Tony Stark moderne ou un idiot aveugle? Emmanuel. Je pense que vu le prix des écrans 4K, en tous les cas, dans des dimensions assez intéressantes, en effet, ça fait plutôt des idiots aveugles, mais... Bon, il y a juste un truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que la norme HDMI qui est censée supporter le 4K, c'est la norme HDMI 2.0 qui n'est pas encore officiellement sortie. Et là, on est encore sur du 1.4, ce qui, j'espère qu'on pourra upgrader ce truc-là, a priori oui. Voilà, moi oui, je suis content en tous les cas, je pense que je suis pas tout seul à être content, c'est une bonne nouvelle et un joli signe en tous les cas de la part d'Apple vers cette communauté qui était devenue très très critique et très très limite aigrie ces derniers temps vu l'absence de cette machine haut de gamme. Alors avant de revenir au direct, un petit tour du côté de notre caricaturiste de talent Steph Cartoon qui nous réserve une petite surprise dont il a le secret. Aujourd'hui s'adresse à Fanny, oui j'arrive. Olivier qui est coincé apparemment dans sa maison de campagne, je vous laisse apprécier l'humour de Steph Cartoon. On en est où monsieur X des annonces et des nouveautés? On parle du Mac et d'Alive, ça y est, ça fait des années qu'il n'a pas été mis à jour. Qu'est-ce que c'est comme nouveauté? Alors retenez une chose, hein, la ligne directrice des mises à jour, c'est de fusionner en termes d'interface ce qu'on voit sur son Mac et ce qu'on voit sur son iPad et iPhone de l'autre côté. Donc, fusion des interfaces au niveau d'iPhoto. On a vu la même chose au niveau d'iMovie, mais pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. Et puis là, une nouvelle version de GarageBand qui apporte, elle, des nouvelles fonctionnalités. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a un truc qui a l'air vraiment très sympa. C'est en fait un batteur pour les gens. Vous pouvez enregistrer votre son de guitare, mais vous n'avez personne pour vous accompagner à la batterie. Ben là, vous avez un batteur virtuel qui s'appelle drummer, hein, ça veut dire batterie ou batteur tout simplement en anglais, et qui va vous accompagner. Donc, c'est comme si vous aviez un ami dans GarageBand qui vous accompagne quand vous jouez de la guitare. Et puis, GarageBand étend ses fonctions au niveau du cloud. Et apparemment, il y a une synchronisation en live entre ce que vous faites avec GarageBand sur votre iPhone ou votre iPad et ce que vous allez récupérer sur votre Mac. Voilà, alors c'est assez pointu pour les musiciens, mais je pense que c'est des longues heures de fun de pouvoir avoir son batteur personnel qui en plus apparemment va s'adapter automatiquement à votre chanson. C'est une fonction qui a fait aussi son apparition, si je me souviens, du côté des solutions professionnelles d'Apple dans Logic. Pas de nouveauté, enfin la vraie question c'est le prix. On sait que les solutions iLife, à savoir iMovie, iPhoto et consorts, sont passées en gratuit. Si vous achetiez ça à une nouvelle génération d'iPhone, ils vous l'offraient chez Apple. On a du nouveau de ce côté-là, monsieur X, pour l'instant? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder puisqu'on est en train de finir la démonstration. On est dans la partie un peu molle de la keynote chère à Cédric. Cédric, on peut encore innover côté logiciel aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'à... Cédric est coupé, donc on va poser la question. C'est gratuit en tous les cas, Olivier. On vient d'avoir le prix pour iLife avec l'achat d'un nouveau Mac ou d'un nouvel iPad ou d'un nouvel iPhone. Oui, c'était déjà maintenant, le cas avant. Pour ceux qui possèdent déjà iLife avec un ancien Mac, on va le savoir bientôt. Rodrigo, est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de solutions maintenant sur le cloud qui émergent? On pense à Google, on en parlera avec Ulrich notamment, qui permettent de faire beaucoup de choses créatives aujourd'hui sur son ordinateur sans besoin de télécharger un logiciel. Voilà, est-ce que ce n'est pas ça plutôt l'avenir selon toi, Rodrigo, avant de laisser la place à Ulrich? Il y a deux éléments de réponse. Ça t'oblige à être connecté. Tu n'es pas toujours connecté. Ouais, c'est de plus en plus le cas. On va l'être. Ouais. Non, mais on va l'être avec de plus en plus, mais on l'est pas encore. Ouais. D'ailleurs, on en reparle avec des coups de cœur. Et la deuxième chose, c'est toujours plus lent, moins fiable, toujours en SaaS. Ça marche bien en général, mais parfois ça plante. Et on se demande pourquoi. Regardez,
Regardez votre mail, hein, votre mail, Gmail, c'est du SaaS, hein, quelque part. Et parfois, ça plante, on ne sait pas pourquoi, il faut relancer, tiens, on a perdu le truc. Donc oui, oui, la tendance de fond, quand on sera connecté de manière permanente, soit en fibre, soit en 4G, ou en 5G, ou en 6G, effectivement, tout sera online, on n'aura plus besoin que d'un terminal bête et méchant avec un browser. En attendant que... Oui, pas besoin d'un Mac Pro. En attendant que Tim Cook arrive, puisque là on arrive à une heure, un peu plus d'une heure de keynote, et bientôt on va présenter le plat de résistance de cette keynote, à savoir les nouveaux iPads. Tu penses quoi de ces évolutions logicielles ? Peut-on encore innover côté logiciel, Cédric, ou maintenant l'avenir, c'est le cloud ? Le projet original de Steve Jobs, hein, il ne voulait pas de magasin d'applications, il ne voulait pas avoir besoin de gérer ça. Il voulait faire des web apps, tu as raison. Il voulait faire des web apps, parce qu'en plus c'était totalement multiplateforme, ça aurait marché partout, etc. Ça aurait été une grande idée. Et maintenant, ça, c'est Google qui le fait. C'est vrai. Mais, bah oui, c'est oui, beaucoup fait critiquer hein, par les développeurs à l'époque. Ils voulaient vendre des applications. Voilà. Mais bien sûr, ils disaient, mais comment on va vendre des applications ? Bon, bref, peu importe. et c'est un petit peu dommage. Maintenant, oui, c'est logique, la synchronisation entre les différentes plateformes. Ce que je vois là, c'est chouette. Hein, mais bon, pour l'instant, pour moi, la seule news depuis une heure, c'est le prix du Mac Pro. Donc, c'est pas qu'on s'ennuie, mais il faudra accélérer un petit peu. Sur Twitter, on dit que, on se demande si c'est Kiabi qui a fourni la tenue vestimentaire des speakers. Oui, il faut que la dame de Barberie prenne en place, en charge tout ça, ouais. Ouais, parce qu'il y a vraiment du boulot. Eddie Q, là, il est un petit peu habillé comme Bruce Lee dans Enter the Dragon, avec les revers. C'est, pour mémoire, j'ai revu il y a deux jours. Ou Manuel Valls. C'est très mauvais, film. C'est un peu comme cette keynote. Alors, monsieur X, revenons un petit peu sérieux, on en est où du côté de San Francisco ? Eh bien, écoute, on a fini la démonstration d'iLife, on n'a pas le prix pour les gens qui. On a parlé de Page et de Keynote, ouais. Je crois, c'est ça ? Voilà, c'est maintenant revu. On bouge sur iWork avec une mise à jour qui est annoncée comme la plus importante depuis la création de ces logiciels hein, qui composent la suite iWork, donc Pages, Keynote et Numbers. Ouais. Là aussi, hein, le maître mot, c'est convergence. Entre les versions Mac et les versions iPad, et puis ce qu'ils appellent une adaptation contexte sensitif, c'est-à-dire qu'on va en fait avoir un mode quasiment plein écran pour toutes ces applis disponibles avec ces nouvelles versions. Mmh. Ça a l'air assez beau. Voilà, gageons que ça soit rapide avec Maverick. Ouais. Oui, donc là, actuellement, on ne loupe rien. Comme vous pouvez le voir, on continue de faire une démonstration passionnante qu'on peut imaginer d'iLife. Attends, ça, Olivier. On a des gros plans. Avec une nouvelle transition. Ouais, donc il y a une démonstration qui est faite de Pages, je pense, hein, avec la tête d'EDQ, où il y a un sbire qui fait une fausse couverture de journal avec la tête d'EDQ. Ouais. Ça tourne quasiment à la démonstration, on va dire... soviétique. Comment faire un journal à la maison soi-même avec la tête de son patron. Voilà, c'est toute prime, beauté. Mon ami. Fanny, quelle est, allez, du côté de Twitter, quelles sont un petit peu la réaction ? Quelle est la température à une heure de keynote aujourd'hui ? Écoute, bah pour l'instant c'est assez calme. Hein. Les gens, ils aimeraient bien un petit peu plus de choses. On commence à me demander s'il y aura un clavier pour le iPad intégré, des choses comme ça. Ça, on va le voir. Mais on a la réponse. Mais voilà. Mais sinon, non, on aimerait bien que ça bouge un peu plus. Oui. C'est, écoute, très bien. Il y a pas de questions concernant d'autres questions concernant ma prof. Faut profiter que notre ami Emmanuel est là. On a rien vu concernant les écrans, Emmanuel, pour l'instant. Il est 4K. Bah non. Il y a pas de nouveauté question moniteur. On sait qu'Apple fait des moniteurs. Apparemment, il y a pas de mise à jour pour l'instant. Ben oui, c'est assez étonnant. Alors peut-être que ça sera annoncé après, mais c'est clair que sortir du 4K et on l'afficher sur je sais pas quoi, c'est... Ça sent un peu curieux. Bon, je pense qu'on a que les pièces du puzzle d'ici décembre vont s'assembler. Apparemment, une question. Fanny, tu peux demander si on peut faire du bootcamp sur un Mac Pro. Oui. On verra. On a la question. On va l'avoir en main, mais c'est vrai que si c'est pour installer Windows, ça peut être assez intéressant. Il y a des petits malins qui ont essayé d'après les spécifications qui avaient été annoncées, de faire un PC équivalent. Ils ont eu beaucoup de mal, mais ils y sont arrivés. Mm. En tous les cas, à mettre tous les composants dans une machine, et c'est vrai que le résultat était assez bluffant, même sous Windows. Donc. On a quand même de bonnes raisons d'espérer. Monsieur X, apparemment, on parlait du cloud un instant concernant justement les applications d'Apple. C'est un peu le sujet du moment. Absolument. Voilà. Et EDQ est en train de démontrer que ces nouvelles versions de logiciels qui composent iWork, donc Page, Number et Keynote, ne sont en fait plus qu'une seule version avec les versions web. On sait qu'on est en version bêta hein, de ces logiciels dans le cloud.
C'est une fusion, en fait, hein, pure et simple des deux versions. Donc, Apple a bien fait les choses. Bon, on pourrait se dire quand même, d'un point de vue utilisateur, qu'ils rattrapent leur retard par rapport à Google, qui est sur cette tendance-là depuis des années. Hein. Les versions d'iCloud devraient être version iCloud des applications, hein, mais devraient être sur Mac et PC. Donc, un argument intéressant, on va pouvoir utiliser ces iLab sur PC. Devrait être gratuite, Monsieur X, c'est ce qui avait été annoncé. J'espère que ça ne viendra pas obligatoirement avec un abonnement iCloud et les 5 gigas de stockage qu'on a quand on achète un Mac. On va pas aller bien loin. Hein, parce que voilà, on ne va pas aller bien loin. Et ça, c'est, on va dire, le scandale qui pointe, ou le revers de la médaille d'iCloud. Il est énervé, monsieur X, vas-y, lâche-toi, parce que moi aussi, je suis énervé. Avec 5 gigas, c'est juste ridicule. Ouais. Quand on sait aujourd'hui que des services comme Flickr, par exemple, offrent 1 tera de stockage, 5 gigas pour iCloud, Apple se fiche absolument du monde. C'est historique, hein, c'est traditionnel. Pas tous en même temps. Non, non, on a eu jusqu'à 20-25 gigas, et on nous les a sucrés pour nous, les utilisateurs qui avons payé pendant des années. Services précédents, Mi.com, pendant des années. C'est simplement une ineptie par rapport à ce qui se fait sur le marché. Ouais. La seule chose qu'a fait Apple dans les évolutions notables d'iCloud dans les 6 derniers mois, c'est que quand on ouvre iCloud maintenant sur son iPhone, on nous demande de remplir notre code de carte bleue, si on a oublié de le faire, au cas où on voudra du renouvellement automatique de l'achat de stockage supplémentaire. C'est vraiment mesquin. Voilà. Il y a quelque chose qu'on trouve intéressant, comme sur Google Drive maintenant, c'est le cas depuis des années sur Google Documents. On en est où du côté de Google sur le stockage? Sur le stockage, voilà, il n'y en a plus sur Google Drive, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est bien plus que 5 gigas. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir éditer en simultané avec plusieurs personnes pour éditer des documents sur iWork et sur iCloud. Ce qui est le cas sur Google Documents depuis quelques années. Depuis 2008. En clair, 2008. Travail collaboratif, c'est ça. Ouais. Maintenant, les macophiles pourront travailler ensemble. Monsieur X. Et je te confirme que les applications de la suite iWork sont maintenant totalement gratuites, évidemment, pour les gens qui achètent un nouveau Mac ou un nouveau périphérique iOS. Mais ça, on le savait déjà du moment de la keynote sur les iPhones, hein, pour les versions, la gratuité des versions iOS. Tim Cook est de retour, on va parler du plat de résistance dans un instant. En ce moment, il parle quoi des applications, c'est ça? Il a l'air enthousiaste par la démonstration du magazine aux couleurs du responsable d'Apple. Bah, écoute, tant mieux. C'est génial, et qu'il va faire une note de service avec Pages dans le cloud. Cher tous. Très bien. Bon, en tout cas, Office 365. Oui, donc apparemment, c'est bien le Mac. En tout cas, on est content avec Riyad. On vous propose tous les mois des tutoriels sur iLife. On est content que ça évolue un petit peu, qu'il y aura des nouvelles fonctionnalités à vous présenter dans les mois qui viennent. On souffrait un petit peu, on tournait un petit peu en rond, étant lyrique. Il compare sa solution aux concurrents, mais il n'a pas cité Google Drive, il a cité que Office 365, qui est effectivement payant. Oui, mais il ne va pas. Voilà, je pense que ce serait en sa défaveur s'il comparait. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a invité ce soir, pour rétablir la vérité, mon cher Ulrich. Juste pour Google Drive, aujourd'hui, si tu achètes un Chromebook, enfin en tout cas avec le dernier Chromebook que j'ai eu, on t'offre 1 tera d'espace en ligne pendant 3 ans. Ouais, je te prierai d'être discret, Cédric, s'il te plaît. Sachant qu'en plus, le Chromebook est tactile, donc tu me fais du mal, arrête. C'est du vrai cloud. C'est du vrai cloud, 100% cloud. C'est pas juste tes docs, hein, tu peux. Mesdames et messieurs, votre attention avant de parler de l'iPad, puisque Tim Cook est sur scène. N'oubliez pas notre concours en fin d'émission pour emporter un WD MyCloud d'une capacité de 2 tera en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On a un sponsor, il est fidèle, il nous permet de mettre en place ces structures avec Tech TV. Merci à eux, il faut assurer les gars. Alors, qu'est-ce qui se prépare du côté de l'iPad? On parle des ventes, apparemment, surprise, vous allez comprendre pourquoi. Tim Cook se vante des ventes des iPads. Monsieur X. Really? Bah, ça continue à augmenter. Le chiffre qu'annonce Tim Cook, c'est 170 millions d'iPads vendus au total, ce qui est juste énorme. Ah oui, et apparemment, la courbe s'infléchit à peine. Et les nouveaux vont bientôt arriver, donc c'est une promesse de croissance encore. Ouais. Le chiffre, il a joué un peu avec l'échelle. On voit la courbe. Comme ça, ouais. Bon. On voit pas que. Alors, on va essayer d'un petit peu de contrarier Tim Cook. On sait que si on regarde, on n'a pas encore les résultats trimestriels d'Apple, mais on a les résultats du trimestre précédent. Les courbes n'étaient pas très très bonnes si on est pris en régie. Lors du trimestre, il faut regarder ces images. Alors, les ventes d'iPad depuis son introduction en 2012, elles ont augmenté de manière proportionnelle, de manière très très importante. Regardez, entre 2010 et aujourd'hui, on voit les ventes littéralement exploser, ont même dépassé les plus de 22 millions d'exemplaires sur un trimestre. Et puis, bizarrement, à partir de l'année dernière, de cette année, après l'introduction de l'iPad, vous voyez, si
si on passe à la deuxième slide, les ventes commencent à s'infléchir et pour l'une des premières années où les ventes de l'iPad sont en baisse, moins 14% lors du dernier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Encore une fois, messieurs, dames, peut-être Cédric, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ce regain des ventes de l'iPad d'une année sur l'autre? C'est la première année qu'Apple, pour un trimestre équivalent, vend moins d'iPad. Pourtant, il y a une offre plus riche et avec des prix plus agressifs. Oui, bien sûr, mais j'ai envie de dire, ça fait maintenant près de 18 mois qu'il y a une offre concurrente convaincante. Parce qu'on se souvient tous des premières tablettes Android pas chères, moi, et puis même certaines qui étaient chères, qui étaient vraiment... Enfin, je me souviens... Arcos. Enfin, je veux pas vexer mes amis japonais. Français. Même Toshiba, enfin, je me souviens de choses ahurissantes en disant, mais vous pouvez pas vendre un truc pareil. Et voilà, là, c'est fini. On parlait tout à l'heure des specs de la tablette Nexus 7 qui commence à moins de 300 euros. C'est absolument magnifique. Donc voilà, la concurrence est arrivée. Avec des prix, en étant assez agressif sur les prix aussi. Pendant ce temps-là, Apple a rien touché à sa politique de prix. Il y a l'iPad mini, mais c'est pas la même machine et elle est pas sur la même gamme de prix, ce qui est normal. Donc voilà, la question aujourd'hui, c'est de savoir si parmi les nouveautés de ce soir, il va y avoir de nouveaux prix. Ouais. Avant de passer la parole à Ulrich, apparemment, vous avez vu, Tim Cook botte en touche, plutôt que parler de chiffres, lui, il a plutôt tendance à parler de satisfaction client, où Apple est numéro un de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il est numéro un sur le nombre d'applications aujourd'hui disponibles, 475 000 rien que pour l'iPad sur l'App Store. Ulrich, ta réaction concernant les dernières ventes d'iPad? Bah, moi, ils disent 170 millions d'iPad vendus, mais on voit que les courbes, elles vont pas du tout comme les courbes du marché. Les courbes du marché, selon Gartner, c'est qu'en 2012, il s'est vendu 120 millions de tablettes. Cette année, il va en avoir 184 millions. C'est des croissances qui sont à deux chiffres. C'est pas les croissances d'Apple. Donc, j'ai l'impression que c'est en train de se tasser. La difficulté, si je comprends bien, Monsieur X, c'est qu'avec son positionnement premium, Apple ne peut pas trop baisser les prix. Donc, il faut en proposer plus. Donc, il faut offrir une vraie valeur ajoutée. Et c'est de plus en plus difficile. On va en parler dans un instant avec l'état de l'art du marché en Android. On en est où, Monsieur X, des annonces de Tim Cook pour l'instant? Alors, Tim Cook, comment continue de balayer un petit peu l'état de l'art et puis conclut en disant que l'iPad est la plus grosse révolution technologique de ces dernières années. On ne parle pas des sujets qui fâchent. Voilà. Et là, il reprend sa respiration, donc je pense que dans quelques instants, on va être capable de voir quelles sont... Il pourrait exposer à la FIAC, Tim Cook. Oui, Rodrigo. Pour l'état de l'art, pour tous ces trucs inutiles, là, ce serait pas mal. Ouais. Concrètement, au-delà, il faut quand même rétablir une petite vérité par rapport aux chiffres qu'on vous a présentés. D'ordinaire, au mois de mars, Apple présentait une nouvelle génération d'iPad. Ce n'était pas le cas l'année dernière, ce qui explique que ce trimestre où il y avait mois de mars qui était intégré, enfin qui était juste après, faisait que le trimestre suivant, Apple surperformait parce qu'ils ont introduit l'iPad 3, l'iPad 2 à ce moment-là. Et puis l'année dernière, ils ont introduit l'iPad 4 et l'iPad mini en octobre, comme cette année les futures générations qu'on va découvrir dans un instant. Donc ce qui explique que peut-être aussi les ventes se sont un peu essoufflées par rapport aux années précédentes parce qu'il n'y avait pas un lancement au même moment et donc forcément la courbe s'est un peu inversée. On va voir si ça va se confirmer dans les ventes de Noël. On sait que les ventes de Noël étaient bonnes chez Apple l'année dernière. Quid toujours de la keynote Monsieur X, que nous présente Tim Cook en ce moment? Voilà. En fait, Tim Cook présente des vidéos d'usage faites autour de l'iPad et puis de tout ce que sait faire le monde avec ce produit en ses mains. Donc voilà, c'est un petit effet de rideau avant les annonces. Oui. Est-ce que, la grande nouveauté de l'année dernière, c'était l'iPad mini. Son boulot, c'était de lutter contre le Nexus 7 que tu as là, Ulrich. Est-ce que la mission a été remplie? Et au-delà, est-ce qu'il n'y a pas quelque part cannibalisé les ventes? Merci Cédric. Les ventes de l'iPad avant tout, plutôt que de cannibaliser les ventes du matériel qu'utilise aujourd'hui Ulrich. Cédric. C'est ce qu'on disait depuis le début, c'est que c'était le seul danger, évidemment, à sortir une machine plus petite et moins chère, et qui finalement, moi je l'adore, moi l'iPad mini, je l'aime énormément. J'avoue ne plus vraiment transporter d'iPad plein format. Ah, ceux-là, je les ai, soit au bureau, soit à la maison. Et s'il avait fallu que je fasse des choix d'achat, je pense que voilà, je me serais arrêté à un iPad mini, parce que le besoin de Retina, pour moi, est assez limité. Donc on comprend
comprend bien l'enjeu. Apple doit développer les ventes aujourd'hui. La vraie bonne nouvelle, finalement, on se pose la question, est-ce que ce ne serait pas plus que l'iPad mini monte en puissance et propose plus que la concurrence, qu'Apple descende en gamme, enfin, on l'a vu qu'ils ne l'ont pas fait sur l'iPhone 5C, et qu'ils conservent un modèle à leur catalogue, on pense tous, non pas à l'iPad 2, mais à l'iPad mini, qui ferait qu'Apple puisse lutter en prix avec un modèle qui, certes, n'est plus au summum des performances, mais en termes de prix, pourrait, parce qu'il est amorti, être un peu plus accessible. Croyez-vous c'est pas ce qu'on a entendu. Ouais, c'est pas ce qu'on a entendu, mais croyez-vous ou souhaitez-vous que l'iPad mini soit conservé à un prix agressif, par exemple 100$ ou 100€ de moins que le prix actuel? Ulrich, ce serait une bonne réponse à Nexus, au Nexus 100 dollars de moins, ce serait effectivement un bon positionnement face à la nouvelle Nexus et à toutes les autres tablettes, que ce soit chez LG, Asus, etc. Et même HP, oui. On en rêve, mais on a été déçu avec l'iPhone 5C récemment en termes de politique de prix, Olivier. Donc, oui, monsieur. J'y crois peu. Hein. La politique d'Apple, c'est quand même de garder à peu près le même prix et puis de rajouter des fonctionnalités pour continuer à être le produit de référence et donc un produit haut de gamme. Maintenant, le marché continue à croître, donc Apple, en renouvelant ses produits, là, c'est ce qu'on commence à voir avec Phil Schiller, doit être capable de repartir en croissance, moi j'en suis persuadé. Fischer est revenu sur scène apparemment, Monsieur X, pour présenter une nouvelle génération d'iPad, entre guillemets, grand format. Les iPad Air, donc c'est pas l'iPad 5. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire, Monsieur X, de cet iPad Air? Qu'il est extrêmement fin, et pour l'instant, Fischer nous montre des photos et le modèle en 3D, mais d'abord vraiment extrêmement fin, et puis apparemment on le voit sur les images. Son moteur, son processeur serait beaucoup plus puissant. Il a l'air d'être l'iPad extrêmement Air. Beau, et ça s'appelle l'iPad Air. Donc il reprend à peu près les caractéristiques esthétiques l'iPad mini, c'est ça? Tiens-toi bien, 43% moins épais, donc c'est vraiment extrêmement fin. C'est l'iPad mini, quoi. Oui. C'est un iPad Retina dans le format l'épaisseur d'un iPad mini. Avec quasiment 10 pouces, on est à 9.7. Oui. Donc, on harmonise le design avec un rétrécissement de l'écran également. On sait que l'iPad mini également avait des bords beaucoup plus étroits sur les côtés. Fanny. Ouais. Bah là, oui, clairement, ils ont réduit le bord. Ça va vraiment donner plus de... C'est assez impressionnant. En temps, c'est beau, hein. Ouais, c'est très, très beau. On va voir le prix maintenant, mais n'allons pas trop vite. Rodrigo. Il peut être quand même pris. Tu penses qu'il peut être quand même pris? Mais la vraie question, c'est ce qu'ils vont gagner. Il n'a pas augmenté. Ouais, non, ça c'est sûr. Enfin, on ne sait jamais avec Apple. Hein. Il ne faut jamais jurer de rien. Est-ce qu'on sait du nouveau concernant les caractéristiques techniques? Pour l'instant, c'est uniquement du design dont on a parlé. 7,5 mm d'épaisseur. C'est tout ce qu'on sait. 20% plus fin en épaisseur. La rumeur avait raison a priori. Hein. Effectivement, le design de l'iPad de nouvelle génération grand format, l'iPad Air désormais, reprend le design de l'iPad mini. Côté donc puce, je vous en parlais à l'instant, est-ce qu'on a du nouveau sur les spécificités techniques? On s'attend logiquement, monsieur, à ce que l'iPad reprenne l'état de l'art, le summum de ce que propose Apple aujourd'hui. Il faut aller sur l'iPhone 5S. Oui, absolument. Et donc, Apple vient d'annoncer qu'il y aura un processeur Apple A7 dedans, A7. Avec le fameux coprocesseur M7, ou appelé coprocesseur de suivi de mouvement, hein, motion coprocesseur en anglais. Donc, c'est le même cœur d'architecture. Que l'iPhone 5S, donc devrait y avoir du Touch ID. Donc la spécificité pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents de Refait le Mac, c'est que cette puce A7 est une puce 64 bits. Alors on a beaucoup gossé sur Internet, et puis c'est aussi des responsables, des hauts responsables marketing de certains fondeurs, je pense à Qualcomm notamment, qui, que je cite, ont appelé ça un gadget marketing. Vous en avez pensé quoi du côté de Frandroid, qu'Apple soit l'un des premiers sur l'Internet mobile, sur les tablettes et les téléphones, à investir ce créneau? Nous, ce qu'on a pensé, c'est qu'avant même qu'il soit présenté, Samsung avait présenté des architectures 64 bits qui se sont avérées quasiment très très proches de celles qu'Apple a présentées, vu que c'est les mêmes... Dans quelle machine il avait présenté? Non, c'était des processeurs Exynos 64 bits. D'accord, mais est-ce qu'ils les avaient adoptés ou pas? Non, pas adoptés, ce sera sur les prochaines machines, mais en tout cas, l'architecture avait été présentée. C'est pas spécifique à Apple, et ici Qualcomm a retiré ce qu'ils avaient dit, c'est que tout le monde va passer aux 64 bits. Voilà. Ça a une vraie valeur ajoutée, Cédric, concrètement, ce choix du 64 bits, ou ça reste selon toi du marketing? Pour l'utilisateur, non, il verra pas la différence. Il y a aussi des conséquences... moins positive, c'est-à-dire sur la consommation de mémoire, sur la place des applications, etc.
Il y a des choses sur lesquelles les développeurs vont se retrouver, sur la gestion de la mémoire, évidemment. T'as, coup, t'as accès à une mémoire, on va dire, quasi illimitée, enfin bien plus que ce qu'on met dans les devices aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette, mais bon, ça va pas se voir. Tu vois, il n'y a pas tout à coup l'appli qui va avec, le truc qui dit « Ah, mais ça, on ne savait pas faire avant !» Bah si, en tout cas, sur ces tailles d'écran et ce type de machine, non. Ouais. Ah merde, il y aura aussi une 5 mégapixels la Alors, caméra. J'allais poser la question, est-ce qu'on sait du nouveau Monsieur X sur les caractéristiques techniques et hauteur avancée? 64 bits, très bien, puce A7, est-ce qu'on a du nouveau concernant l'appareil photo? Oui, Phil donc, vient de décrire la partie appareil photo, hein, donc il y aura une caméra de 5 mégapixels, la fameuse caméra... EyeSight, on peut faire évidemment du 1080p en HD. Donc on n'est pas au summum. Hein. Non, on est pas au summum. C'est 8 millions aujourd'hui hein, sur l'iPhone 5 et le 5. Ça, c'est un petit peu décevant pour un produit de cette gamme-là. Mais attends, je pense qu'il y a le modèle Gold qui arrive. D'accord. Bah, le modèle vient d'être annoncé, c'est Space Gray et Black. Ah, 399, 499. L'iPad 2 continue, l'iPad 2 reste là. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Voilà. Et ça démarre à $629 pour le. Ils ont mis un truc intéressant, j'ai vu passer vite fait iOS 7 avec Mimo pour la première fois. Donc apparemment, le Mimo pour ceux qui... Non, pas le Mimo, plus que ça, le Wi-Fi AC, la dernière génération de Wi-Fi, hein, qui offre un débit équivalent à celui de l'Ethernet. $629. Pour la version 4G. Pour le Retina, 16Go Wi-Fi 4G. Plus 4G. Alors, ça n'allons pas trop vite. Et également, donc, une version 4G qui devrait être universelle. Vous saviez que les précédentes versions de l'iPad n'étaient pas compatibles en France en 4G. Apparemment, c'est le cas. Il serait donc disponible à partir du 1er novembre prochain, y compris en France, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc, on récapitule les prix. $399 l'entrée de gamme en iPad 2. $499 à partir de $499 l'iPad Air. Et ça monte jusqu'à $629 pour la version Retina Display 16Go Wi-Fi et cellulaire, à savoir la version 4G, si je ne me suis pas trompé. Et Johnny Hive nous fait une belle démo de vestimentaire. Il y a un truc incompréhensible, hein, c'est que, enfin, incompréhensible sur le fond, c'est-à-dire que on voit la mécanique des caisses, c'est pour ça qu'on rigole gentiment en disant tiens, je crois qu'il va nous parler des Apple Store et maintenant il va nous donner les chiffres de vente des apps, enfin, etc. On reste sur l'iPhone. Pourquoi Johnny Hive n'est-il jamais sur scène? Parce qu'il est timide, il est réservé. Il a quand même grossi en plus. Ah oui, c'est vrai qu'il est cadré là. Hein. C'est comme l'éclairage, tu vois, le maquillage. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'iPad 2 devient l'iPad d'entrée de gamme et beaucoup moins cher. Donc on va voir l'iPad mini dans un instant. Voilà, un modèle d'entrée de gamme à $399. Le nouvel iPad, c'est l'iPad Air. Ils l'ont aligné en prix. Il commence avec un modèle à $499. Comme avant. Et puis après, on a un modèle haut de gamme à 629. Mais la vraie nouveauté, hormis le fait qu'il l'iPad Air, si j'ai bien compris, à 499, il est Retina ou pas? Il est Retina sur les deux modèles. D'accord. Le modèle à 4,99 et le modèle à 6,29. Ouais. La différence entre les deux, c'est que tu as la 4G sur le 6,29. Ouais. Mais les deux ont la même capacité de stockage, 16Go, qui est une capacité d'entrée de gamme par rapport aux anciens iPad. Et c'est ça qui est très, très marrant. Bizarre ou à expliquer. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils vont libérer un petit peu le cloud et nous offrir plus de... Non, moi je dis que c'est qu'ils vont peut-être introduire un iPad Gold à $1000 avec 500Go dessus. Parce qu'on a eu un iPad avec 256Go de stockage et 128. On ne voit pas où il est. 128, monsieur. Non, je crois qu'il y avait un modèle à 256. 128, pardon. Et on ne voit pas où il est passé, celui-là. C'est déjà pas mal. Alors, on va essayer de comparer ses specs, ses capacités, ses prix par rapport à ce qui existe dans le monde Android. Et Fisher va arriver dans un moment pour parler tout de suite de l'iPad mini. Mais rapidement, si on compare par exemple avec le Windows Phone que tu as devant toi, la tablette Windows Surface. Effectivement. Chez Microsoft, on a deux Surfaces. On a la Surface 2. Qui est sur Windows RT 8.1, on a la Surface 2 Pro 2 qui est sur Windows 8.1. Là pour le coup c'est la Pro 2 mais c'est pas celle qui nous intéresse, c'est la Surface 2. En entrée de gamme. Elle est à peu près 460€ je crois, si je dis pas de bêtises. Elle est à 32Go en SSD, elle a un écran 10,1 pouces 1080p, vraiment pas mal, et surtout le système je trouve de clavier qui ajoute vraiment une couche productif à la tablette.
Et le reste est pas mal, il y a du USB 3.0, il y a une caméra de 5 mégapixels à l'avant, à l'arrière, 3,2 mégapixels devant. Du coup, on est sur un produit qui est intéressant en tout cas sur le marché. Bon, et en termes de prix, donc on a vu, ils sont assez agressifs. On va voir s'ils vont arriver à rattraper leur marché avant de rejoindre le direct et l'iPad mini qui est en train de mettre à jour. En termes de prix, Apple aujourd'hui sur ces formats, en termes de 10 pouces, on est à quel prix et dans le monde Android, si tu prends une marque comme Samsung par exemple aujourd'hui pour un Galaxy? Une Galaxy Tab 2 par exemple? Alors, sur le modèle pour moi qui est le plus proche, qui est le plus intéressant en termes de specs, c'est la Galaxy Note 10.1 2014. Je ne me rappelle plus du prix, Cédric peut peut-être m'aider sur ça. Alors là. Bon, elle est vraiment terrible, elle a la résolution. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des. Voilà, on sait qu'il y a une guerre des prix sur l'entrée de gamme en 7 pouces, on va en parler parce que c'est le sujet du moment, mais sur le 10 pouces, Apple reste à peu près cohérent, même s'ils sont obligés de. Pour le haut de gamme, c'est autour de 400-500 euros. Et il y a trois produits qui sont intéressants. Il y a la Surface, il y a également la nouvelle Nexus 10 qu'on attend. Alors, et la Galaxy Note 10.1. Alors la guerre, on l'a compris, la guerre il est surtout sur l'entrée de gamme parce qu'Apple reste compétitif sur le haut de gamme, on l'a vu, c'est sa spécialité. C'est l'iPad mini qui est mis à jour, monsieur Hitt, qu'est-ce qu'on a appris? Allons-y. Alors tu rêvais d'avoir un écran Retina sur ton iPad mini, ça c'est fait, on le demandait tous, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Ensuite il y a le même processeur, hein, le Apple A7. Voilà, donc ce n'est plus une tablette. Une tablette au rabais en termes de performance. Absolument. Donc un écran Retina et ils annoncent que c'est le $399 le prix, même qualité. 16 Go Wi-Fi. Bien sûr le processeur A7 et puis une gamme avec un modèle 16 Go Wi-Fi qui commence à $299 et puis un modèle avec l'écran Retina celui-là à $399. Donc 299 sans le Retina, 399 avec le Retina. Eux aussi en 16 Go de stockage et en gros. De ce qu'on voit là, puisque Phil Schiller nous résume toute la gamme des iPads, il n'y a plus qu'une seule capacité de stockage, c'est 16 Go. Il n'y a plus de modèle 32, il n'y a plus de modèle 64, il n'y a plus de modèle 128. Non, bah, non, écoutez, non, c'est ça. Ce qu'on voit à l'écran. Ils n'annoncent pas les prix. Non, ils n'annoncent pas les prix, mais pour pas plomber l'ambiance. Pour pas plomber les slides. On dirait que tu as oublié que tu travailles chez Apple. Mais c'est une technique. La bonne nouvelle, donc, on le disait en préambule, est-ce qu'Apple a la capacité de lutter contre ce que tu as là devant toi, là, ces tablettes que tu utilises depuis le début de cette émission? Elles sont très agressives en termes de prix. Apple a décidé, et j'estime que c'est la meilleure nouvelle de la soirée, de conserver l'iPad mini en entrée de gamme et de se lancer entre guillemets dans une relative guerre des prix. Donc l'iPad mini commence à $299. C'est 229, c'est ça? Là c'est je sais plus, 220-240 euros en Wi-Fi, mais on est à 270 en 4G. La question que je me pose, est-ce que le prix baisse de l'iPad mini? Je ne crois pas. Monsieur X. Non, a priori. C'est pas la bonne nouvelle finalement, j'ai dit une bêtise. On en est où d'état de l'art du côté Android? Donc, Android, on a pour moi deux tablettes qui sont très intéressantes, trois je veux dire. La première c'est la Nexus 7 2013 qui est vendue autour de 230-240 euros en Wi-Fi. On a une tablette sur un processeur Qualcomm S600 quadruple cœur, un écran 1080p, c'est du 1920x1200 pixels. Ouais. On a une version qui est 4G autour de 270 euros, je ne me rappelle plus exactement du prix. Donc c'est du 320ppp, donc c'est du Retina, hein, c'est. On n'est pas loin en tout cas de ce que propose Apple aujourd'hui. Ah, c'est quasiment la même chose. Ouais. Et on a d'autres tablettes qui sont du même niveau. C'est la G-Pad 8.3 de LG qui est à peu près à 300 euros avec un écran 8,3 pouces et du 1080p. Ne va pas trop vite sur le LG. Parlons un petit peu de la Nexus 7. Ah, la Nexus 7, oui. En un mot, Apple l'année dernière avait beaucoup insisté au moment du lancement de la Nexus 7 qu'un écran de 7,9 pouces c'était mieux qu'un écran de 7 pouces qui pouvait justifier qu'on investisse un peu plus cher dans un matériel Apple. Toi qui l'utilises, qui utilises les deux, hein, tu as à la fois un iPad mini et une Nexus, est-ce que tu sens une vraie différence en termes d'affichage, en termes de confort de travail, oubliant le côté Android et les côtés interface, simplement la taille, la surface de l'écran? Non, c'est la même chose. Tu m'as dit d'oublier, mais pour moi, la vraie différence aujourd'hui, malheureusement pour Android, c'est qu'il y a 475 millions d'applications iPad compatible iPad, et sur Android, on n'a pas de chiffres, mais il n'y a pas autant d'applications qui ont une belle interface tablette. Mais sur le côté hardware, les deux tablettes sont très agréables, que ce soit la navigation web ou même les jeux qu'on trouve aujourd'hui sur les deux plateformes. Apple a vraiment fort à faire aujourd'hui pour, je dirais, permettre et convaincre les gens de mettre la main à la poche. Et aujourd'hui, selon toi, le meilleur argument, c'est iOS aujourd'hui? Pour l'expérience tablette, c'est iOS, effectivement.
En tout cas, moi je pense qu'Apple, son positionnement c'est du haut de gamme et il faut qu'il continue à sortir des prix qui peuvent être relativement chers mais qui derrière sont impeccables. Accessibles en tout cas, on le voit avec la Panini, c'est son rôle. Aujourd'hui, il y a une autre, on en a parlé avant le début de cette émission, une autre tablette que je trouve vraiment très agressive en prix et c'est toujours Asus qui fabrique aussi la Nexus pour Google qui la fabrique, c'est la PhonePad, c'est un téléphone tablette, 7 pouces également, qui est très proche en termes de design que la Nexus 7. Son prix est tout à fait ridicule, moins de 200 euros. On peut même la trouver à 150, 170 euros aujourd'hui. Elle est même 3G aujourd'hui. Bon, elle est packagée. On voit qu'aujourd'hui, c'est une guerre, mais sans nom aujourd'hui sur les prix. Et c'est loin d'être ridicule en termes de perfs, l'engin. Asus, ils ont une gamme ahurissante. Ils ont la PhonePad 6. Ils sont beaucoup plus agressifs que Samsung. Samsung en a mis plein les yeux sur les téléphones. Aujourd'hui, c'est plutôt Asus qui est fer de lance. Asus, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup appris de leur collaboration avec Google. Ils ont des produits qui sont très intéressants. Ils ont la PhonePad qui fait téléphone, 6,1 pouces. Ils ont également la PhonePad 7, 7 pouces. Donc, c'est de la phablette tablette. Le niveau des specs, c'est très bien. La 6,1 pouces, elle est en termes de qualité de fabrication, on est dans les canons d'Apple. On sait qu'Apple donc privilégie pas sur les téléphones d'entrée de gamme, mais enfin bref, sur les tablettes l'aluminium. On en est aujourd'hui sur le côté Android, que ce soit la Nexus 7 ou le PhonePad. Asus, c'est un Taïwanais Cédric peut le dire également, ils ont toujours été impeccables en termes de qualité. Ils ont déjà eu des Ultrabooks en métal qui étaient impeccables. Alors que la keynote se termine à San Francisco. Asus, ils font des ultrabooks avec du Gorilla Glass. Ouais. Qu'est-ce que ça m'aurait intéressé d'avoir un MacBook avec du Gorilla Glass plutôt que de repayer un écran. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à Taïwan et de rencontrer leur designer en juin dernier, enfin au moment de Computex. Ils ont le mérite de tenter des trucs parce que des choses comme le PhonePad, c'est des machines de fou. Sur le papier, on dit mais non, mais chérie, on peut pas sortir un truc pareil. Bah si, ils le font quand même. Sachant que petite parenthèse, Cédric, c'est du Intel dedans. Hein, c'est pas donc là aussi, il y a une volonté d'Intel de revenir. On sait qu'ils sont très en retard par rapport au monde ARM, ARM. Ah bah c'est fini, ils sont plus en retard. Hein. Voilà. En termes de specs et tout ça, ils sont en retard. Ils peuvent se permettre de pas gagner de l'argent, je veux dire. Pas la même lancée. Tu vois ce que je veux dire? Pas gagner de l'argent, Intel, ça leur plaît pas beaucoup. Oui, mais dans des marchés où ils sont pas leaders, ils ont pas trop le choix, c'est vrai. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Non, mais ils sont prêts. On va dire que maintenant, ils ont les bons outils pour se battre. Et c'est quelque chose qui leur manquait avant. Et après, ouais, est-ce que c'est de l'alu? Non, c'est pas de l'alu sur les tablettes en question. Il y a de l'alu côté Galaxy Tab chez Samsung, etc. Non, sur le Nexus, le dernier, c'est du plastique. Alors, c'est du plastique unapologetic et tout ça, très beau, machin, nanana, mais c'est du plastique quand même. Mais là aussi, attention, hein, quand on fait du Nexus et ce genre de choses, il y a quand même un objectif de prix qui, lui, est assez cruel, parce qu'évidemment, il faut arriver à sortir vers les 239 euros. Petite précision, on n'a pas de nouvelles des Mac Mini. Ouais, qui devait être mis à jour ce soir, normalement. Les prix. Ils le seront peut-être quand même. Hein. Oui, souvent, les choses qu'ils considèrent moins importantes et moins à mettre en vitrine, ils le mettent à jour, ils n'en font même pas un communiqué de presse. Hein. Les prix du Mac Pro sont disponibles sur l'Apple Store français aussi. Ah, alors on va y aller. Le prix du Mac Pro commence à 2999 euros, donc apparemment, on harmonise de plus en plus l'euro et le dollar. Je me pince parce que c'est suffisamment rare chez Apple pour être vrai. Ils ont tendance plutôt à vouloir marger un petit peu sur le dos des euros. Européen, mais passons. Quadricœur avec Dieu. Rigole, l'euro, il est à 1,35$. Hein, donc. Oui, mais même quand il était. Les prix sur le store US, ils sont hors taxes. Hein. Voilà, ils sont hors taxes. Quand tu compares les prix hors taxes et les prix hors taxes en France, il y a toujours eu un décalage en faveur des États-Unis. Bref, Quadricœur avec deux processeurs graphiques, 2,999€. Processeur Intel Xeon E5 Quadricœur, 12Go de mémoire. Waouh! 2 AMD Fire Pro D300, donc ça c'est pour la carte graphique Emmanuel. 2Go de VRAM, 256Go de stockage SSD, enfin SSD, flash. Ouais, c'est quand même un MacBook Air. De carte graphique en standard, c'est assez rare quand même. Ouais, pour le 4K, c'est aussi peut-être une nécessité. Et une version haut de gamme. Une version haut de gamme, donc on avait très peur, hein, puisque je le répète, même sur ce plateau, certains ont annoncé 10 000 euros, je ne les dénoncerai pas. 3 999 euros la version
exacœur, deux processeurs graphiques, 16 Go de mémoire, 3,5 GHz pour les processeurs, deux AMD Fire Pro toujours pour la carte graphique et 256 Go de stockage. Donc c'est pas non plus énorme. Voilà, c'est version light sur le stockage. J'ai juste une petite chose, non pas sur les Mac Pro, mais sur les MacBook Pro. Donc, à part le 13 pouces, il n'y a plus de MacBook Pro non Retina. D'accord. Donc, voilà. Apple arrête de faire les MacBook Pro en entrée de gamme, c'est ça que tu es en train de me dire ? Oui. Il reste un 13 pouces. Oui. Mais il n'est pas mis à jour, c'est ça que tu veux dire ? Il n'est pas mis à jour, mais il n'y a plus rien d'autre, en tous les cas. Oui, effectivement. Tu as un MacBook 13 pouces à 1199 € en 2,5 GHz. Et le reste, ça reste une génération du Retina. Il y a 100 € d'écart entre le 13 pouces non Retina et le 13 pouces Retina. Le 13 pouces Retina a quand même d'autres avantages. Enfin, tu vois, ce n'est pas les mêmes générations, deux puces graphiques. Les prix ont bien baissé par rapport au premier prix du Retina qui est apparu il y a un peu plus d'un an. Hein, c'était le double du prix. Hein. Les prix ont fondu comme neige au soleil. Fanny, peut-être un petit commentaire Twitter. Écoute, grosse déception parce qu'il n'y a pas les empreintes digitales sur le iPad Air. Voilà, donc déjà il y a l'iPad Mini Retina, c'est déjà bien. Donc c'est vrai que le Touch ID, on l'avait vu beaucoup sur le site de rumeurs qui affirmait que l'iPad, à savoir le grand format plutôt, serait équipé de Touch ID, que la version mini également. C'est pas le cas, hein, c'est bien ça. Ce qui est marrant, c'est que les macophiles retenaient leur souffle et là, il y a un peu d'air avec l'iPad. Oui, continue les jeux de mots. Bien, maintenant que la keynote est terminée, on peut reprendre la fin et le fil de cette émission. On vous a annoncé depuis le début de cette émission que vous pouvez remporter un magnifique disque dur WD MyCloud d'une capacité de 2 Tera. Il y a une magnifique prise Ethernet derrière pour le brancher sur votre boîtier ADSL. C'est pas un hasard puisqu'il va vous permettre de faire du cloud personnel sans abonnement. Tout le stockage que vous avez à la maison sont accessibles partout dans le monde, sur l'iPad, sur l'iPhone, sur Android ou autre plateforme, et bien sûr sur le Mac et le PC. Pour le remporter, il faut répondre à une question, on va vous la poser de suite. Émission exceptionnelle, cadeau exceptionnel, notre partenaire WD vous propose de remporter 3 disques durs MyCloud d'une capacité de 2 Tera en répondant à cette question. Quel produit de WD vous permet d'accéder à tout votre contenu où que vous soyez, depuis votre tablette ou smartphone ? Donnez votre réponse via Twitter en l'associant à l'hashtag ORLMWD, ORLMWD en un seul mot. Bonne chance. Voilà, et vous avez jusqu'à lundi prochain, mardi prochain pour répondre minuit, mardi prochain minuit pour répondre. N'hésitez pas, bien sûr, une prime sera donnée à ceux qui répondent ce soir, bien évidemment les premiers, et puis on gardera un exemplaire pour ceux qui se regardent l'émission en replay, comme ça on ne favorise personne. Si vous n'avez pas eu le temps ou si vous n'avez pas gagné, vous verrez d'ici mardi ce magnifique disque dur, vous n'avez pas tout perdu. Notre partenaire à nouveau WD vous réserve une surprise, un bon plan, une réduction exceptionnelle pour vous. Excusez-moi, vous qui regardez Refait le Mac, on regarde le jingle. Notre partenaire WD vous propose un bon plan exceptionnel. Vous disposez, vous et uniquement vous qui regardez On Refait le Mac, d'une réduction de moins 20% sur le magasin en ligne wdstore.fr, www.wdstore.fr. Pour en bénéficier, il vous suffit de taper le code promo ORLM20 sur le WD Store, ORLM20. WDStore.fr vous offre également les frais de livraison. Merci pour ce bon plan. On place maintenant au coup de cœur. C'est la séquence préférée de Rodrigo. Les bons plans tout de suite dans Refait le Mac. On va terminer l'émission par cette séquence. Vous la connaissez bien aujourd'hui. Et on commence tout de suite par Fanny. Je vous avais déjà parlé des coques LifeProof pour iPhone 5 et ils ont ressorti un nouveau modèle avec, en fait, l'écran n'est plus recouvert de plastique, c'est ce qu'on appelle le LifeProof Nude. Et du coup, ça permet justement d'avoir accès directement à l'écran tout en ayant son iPhone complètement rendu étanche à la poussière, à la neige, à l'eau, etc. On voit sur la vidéo, regarde Cédric, c'est pour toi. Hein, c'est étanche à tout bébé, y compris à la cuvette des toilettes. Ça peut rester jusqu'à 30 minutes dans l'eau, le iPhone, donc c'est vraiment efficace. Moi, je l'avais utilisé en vacances, dans les piscines, etc. Et c'est vraiment super et ça réussit bien aussi au choc.
Donc voilà, je vous conseille cette coque, même si elle est un petit peu chère. Ouais. Ça prolonge clairement sa durée de vie dès que vous êtes au ski, en bord de mer. C'est super efficace. Ça arrive bien des accidents désagréables. Merci Fanny. Monsieur X, de ton côté, quels sont ton ou tes coups de cœur ce soir? Alors, deux coups de cœur. D'abord, une application pour iPhone. Alors, qu'on prononce, si j'ai bien compris, IFT. Et ça s'écrit IFTTT. Hein, il y a trois T. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire cette application? C'est en fait l'acronyme de If Then Then That. Ça vous permet de scripter des applications iOS entre elles. Donc, vous pouvez par exemple coupler iPhoto avec Dropbox, donner des règles et dire à chaque fois que je prends une photo, envoie-la sur mon compte Dropbox. Vous pouvez coupler Foursquare avec votre agenda. Vous pouvez faire en fait des enchaînements logiques d'applications iOS entre elles. C'est très très prometteur. C'est pas un langage de programmation, c'est un langage de scripting pour les nuls comme moi, et je pense que c'est un peu le début de ce type d'application qui va nous permettre de faire en fait des scénarios complets autour de nos médias, autour de nos usages préférés sur l'iPhone. Voilà, donc ça vient de sortir. Allez voir aussi le site web. Je pense que c'est un vrai laboratoire et que c'est assez prometteur. Et puis après, Keynote oblige, j'ai un petit coup de cœur qui est un peu en dehors du Mac, mais je vais oser dire que c'est le coup de cœur parfait pour Rodrigo et Cédric. C'est mais Rodrigo et Cédric ensemble. Ah, un voilà. Scoop ce soir, monsieur X. Ouais. Donc, pourquoi Cédric? Parce que c'est japonais, hein. Voilà, oui. C'est un manga. Mais oui, même Fanny, tu peux la joindre. Donc ça, c'est la partie de Cédric de mon coup de cœur. Ouais. Et pourquoi Rodrigo? C'est parce que ça parle de vin. Voilà, tout simplement. Et c'est un manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, qui est absolument excellent, que moi j'adore, et qui raconte quoi? En fait, la vie du fils d'un œnologue japonais qui est mort, qui a une cave secrète avec des vins prestigieux qu'il appelle les 12 apôtres, pour ses 12 bouteilles les plus sublimes qu'il lègue en héritage, et une bouteille mythique qu'il faut retrouver, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Donc, si vous aimez le vin et les mangas, jetez-vous sur ce manga, et puis à la fin de chaque manga, vous découvrez des vins français. C'est assez super. Donc, vous pouvez lire et boire. Moi, je dis, c'est super. Rodrigo, quels sont tes coups de cœur? C'est ta séquence préférée, Rodrigo. Allons-y. J'en ai un qui est parfaitement inutile, donc indispensable. C'est comme le luxe. Vous regardez combien de fois vos mails par jour? Beaucoup. Trop. Beaucoup trop. Vous regardez combien de fois Facebook par jour? Quand on arrête de les regarder. Allez, on est à 2 heures de direct, Rodrigo, allons-y, on a envie d'avancer, vas-y, je t'en prie. Bah oui, donc vous regardez trop vos mails, vous regardez trop Facebook, vous regardez trop vos chats, à un moment donné, il faut quand même bosser, il faut payer le loyer. Oui, non, c'est bien, c'est Rodrigo qui dit ça, donc, en plus, attention. Et comme vous n'avez aucune force de volonté, j'ai ce qu'il vous faut pour vous libérer, ça s'appelle Mac Freedom, sur macfreedom.com, ça va vous coûter 10 dollars, ça permet de quoi? Ça permet de dire à votre ordinateur, espèce d'ordinateur, coupe-moi d'Internet pendant une heure. Non. Coupe-moi d'Internet pendant 2 heures. Et sauf si vous rebootez, impossible de se connecter à Internet. Donc, vous êtes obligé de faire votre présentation ou votre document, votre rapport ou votre Excel. Et tu payes 10 dollars pour ça, Rodrigo. Tu peux débrancher ton Wi-Fi, ça marche aussi. Non, je suis assez d'accord. Vous êtes faible, vous n'avez aucune volonté. Il vous faut ce programme. Oui, c'est vrai. Non, ça peut être sélectif. Tu peux dire, attends, déconnecte-moi de Facebook, s'il te plaît, pendant une heure. Quoi, voilà. Ou du chat, ou machin, etc. Mais tu peux continuer à aller chercher les images qu'il faut pour ta presse ou éditer ton document. Bien. C'est vachement bien, non? Autre coup de cœur, Rodrigo. Tu veux mon deuxième coup de cœur? S'il te plaît. Toi, Olivier, tu te souviens que la dernière fois, quand tu as rêvé, tu te souviens de quoi tu as rêvé? Non, je ne peux pas le dire à l'antenne, Rodrigo. Je suis désolé. J'ai trouvé sur Kickstarter, vous savez, cette plateforme collaborative de financement de projets complètement farfelu. Alors, ce projet a été intégralement financé déjà. Ça y est, ils ont dépassé ce qu'ils voulaient. En gros, c'est un réveil matin. Hein, sur votre iPhone, vous dites, passionnant. Vous le posez sur votre matelas. Et ça commence à calculer suivant les mouvements et tout ça avec, j'imagine, la puce à 7 ou la puce d'avant. Ça vous réveille tout doucement au bon moment où il faut vous réveiller pour que vous soyez en pleine forme. Et ça vous propose tout de suite d'enregistrer, ou d'écrire aussi, mais d'enregistrer votre rêve. Non. Parfaitement inutile, non? Ouais, en tout cas, la vidéo est très jolie. Hein, mais j'ai pas compris comment ça peut enregistrer ton rêve. Si tu m'expliques un petit peu. Votre dictaphone, tu vois? Ouais. Non, bonjour iPhone. Tu te réveilles et tu traduis ce que tu as vécu pour pas l'oublier, oui, c'est tu ça. Racontes. Mais tu dis ça n'enregistre pas ton rêve en live. Ah ben je sais pas, moi je suis esbaudi par la technologie et il faut payer pour ça, Rodrigo. Le M8 pour ça. Tu sais que tu peux. Bon, et donc ils nous vendent ça, c'est ça, c'est une application. Ils vont vendre ça et c'est sur Kickstarter, ça y est, ils sont financés, c'est pas fini la campagne. Ils sont financés. Non.
Oui, c'est ça qui est complètement. On arrive à tout financer aujourd'hui. Tu veux dire qu'on arrive même à financer des podcasts, ça continue, c'est fou, c'est incroyable. Ah, mais attends, il faudrait peut-être qu'on aille sur Kickstarter. Ouais, c'est une idée. Et ben alors, j'ai trouvé un autre projet qui, lui, est carrément génialissime. Oui, Rodrigo. Et qui, lui, n'est pas financé, ils en sont qu'à la moitié. Donc, si nos amis de Refait le Mac veulent bien le financer, ça serait cool. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Vous souvenez de Lokitron? Ouais, la solution pour le vélo, c'est ça? Mais non, Lokitron, c'était les portes chez vous. Les portes verrouillées. Mais oui, qu'on pouvait débloquer avec son iPhone. Ouais. Et bien là, ils ont fait pareil. Ça s'appelle, je ne sais pas quoi d'ailleurs, BitLock. BitLock, ouais. Non, c'est pas ce que tu penses. Non. Alors BitLock, c'est un U contrôlable. Étonnant, avec votre iPhone. Ouais. Et donc, quand vous vous approchez de votre vélo, plus besoin de sortir l'iPhone, plus besoin de tapoter, il va détecter automatiquement que vous êtes prêt. Et hop, ça va déloquer votre U. D'accord, et c'est un problème que tu connais bien. C'est interfacé avec plein de produits de fitness, etc. Mais ce qui est très rigolo, c'est que du coup, c'est social, et que si vous laissez votre vélo, par exemple, à Suresnes, je peux dire, tiens, Olivier, tu veux pas aller me chercher mon vélo, et je peux t'envoyer sur ton iPhone le droit de déloquer mon vélo. Génial. Et tu peux ouvrir donc les systèmes à distance, c'est vraiment pas mal, effectivement. Ça coûte à peu près $100. Ouais. La vidéo est top, je comprends pas pourquoi ils sont pas financés, eux. Ouais, j'ai acheté. Tu l'as pré-acheté, donc. J'ai pré-acheté, ouais. Il sera dispo quand? Je crois qu'ils ne sont même pas donné de date, mais je crois que c'est prévu pour début d'année prochaine. Merci Rodrigo pour tes coups de cœur. Emmanuel, ici en plateau, qu'est-ce que tu nous as réservé? Je crois que tu es arrivé avec plein de choses sympas. J'ai découvert un truc assez incroyable de chez Scully Helmet. Mmh. C'est le casque de moto façon Iron Man avec en surimpression dans la visée, dans le viseur. Dans la visière, pardon, je vais y arriver. Ouais. Donc, le GPS, l'interconnexion avec le smartphone et tout ça. Il y a une petite vidéo, je crois. Oui, ça défile, vas-y, c'est prévu. Assez incroyable. Je ne sais pas combien ça coûte. Ouais. Je trouve ça absolument génial. C'est un peu comme le principe des Google Glasses, en fait. C'est ça. Ça, voilà. Mais vraiment spécialisé pour la moto. Et en plus, ce qui est génial, ce que je vois sur la vidéo, c'est que tu vois ce qui se passe derrière toi. Ouais. Ça fait rétroviseur. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'en matière de vidéo, avec les casques fermés, on manque de champ de vision. Et c'est vrai que c'est une super idée, évidemment, en plus d'avoir la possibilité de savoir qui vous appelle. Et le GPS, c'est très proche des Google Glasses. Voilà. Espérons que le prix soit un peu plus abordable que les Google Glasses. On enchaîne sur par rapport à un appareil photo, du côté d'un Japonais. Un Japonais qui s'appellerait Sony et qui a annoncé la semaine dernière, je vais y arriver, non pas un, non pas deux, mais trois nouveaux boîtiers. Je vais commencer par le RX10. On avait été présenté la semaine dernière le RX1 et le RX100 qui sont des petits boîtiers assez dans la mission précédente dédiée à l'appareil photo. Voilà. Ouais. Et donc le RX10, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le bridge ultime. Un bridge, c'est quoi? C'est un gros objectif, un gros zoom avec beaucoup d'amplitude qui va donc de 24 à 200 mm, qui s'ouvre à 2.8 constant. L'optique est signée Carl Zeiss, bien entendu. Et comme c'est aussi optimisé à la fois pour la photo et pour la vidéo avec un capteur 1 pouce. Avec la possibilité de brancher micro et tout ce qu'il faut pour faire du reportage et du podcasting. C'est un produit qui en tous les cas me fait très très envie. Donc pour le podcast, ce serait pas mal, tu penses que ce serait une bonne solution pour nous, pour nos petits reportages, pour carrément, le Mac. Carrément. Je pense à Fanny aussi, je pense que en termes de prix, on est haut. On est aux alentours de 1200-1300 euros quand même. Ouais. Mais c'est vraiment un produit tout en un, à la fois appareil photo presque comme un réflexe, dirons-nous, et une vraie caméra et vidéo haute définition de très haute qualité. Et donc deux autres boîtiers qui sont des boîtiers hybrides, qui sont un peu lookés, rétro, réflexe, avec des capteurs full frame. Un qui s'appelle le A7 et le A7R. Toujours chez Sony. Toujours chez Sony, bien entendu. La grosse différence entre les deux, c'est qu'ils font tous les deux photo et vidéo. Mais en photo, le A7R dispose du même capteur que celui qui est dans le Nikon D800. Que Nikon ne fabrique pas ses capteurs, et c'est souvent Sony qui les fait. Et c'est un capteur donc sans filtre passe-barre. Je parle un petit peu de chinois là, mais c'est un capteur donc de 36 millions de pixels. Pour net, allez voir, voilà, vous allez comprendre. 36 millions de pixels, très très haute résolution. Sony fait très fort en ce moment, on peut le dire. Ils reviennent dans la course. Ils m'ont agacé pendant des années, et je suis assez admiratif de la façon dont ils reviennent un peu sur le devant de la scène. Et le meilleur pour la fin, Emmanuel, tu l'as avec toi? Je l'ai avec moi, je l'ai amené, elle est là, la Blackmagic Pocket Camera.
Donc, il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça. Hein, ça a fait fantasmer pas mal de monde. Blackmagic l'a lancé, annoncé au mois d'avril au NAB à Las Vegas. Alors pourquoi fait-elle tant fantasmer cette petite caméra? Pourquoi elle fait fantasmer? Parce que c'est une caméra qui vaut pas très cher. Ça vaut moins de 1000 euros. Objectif interchangeable. Avec objectif interchangeable. On est sur une monture micro 4 tiers. C'est la monture qui a été développée par Olympus et Panasonic. D'accord. Avec un très faible tirage optique. Donc, on va pouvoir mettre des adaptateurs pour mettre des optiques de toutes. Ne dis pas que c'est du 4K quand même. Non, c'est pas du 4K, c'est de la HD. Ouais. Mais c'est de la HD professionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer sur une caméra, normalement à ce prix-là, sur un codec dit un peu assez grand public, tel que la VCHD, qui sont des codecs très très compressés, mm-hmm. de bonne qualité, mais très compressés. Là, on est sur de l'Apple ProRes, donc c'est là le lien avec Apple. On est sur de l'Apple ProRes en 422HQ, c'est un codec 10 bits. Avec la possibilité d'enregistrer ce qu'on appelle en log, c'est-à-dire qu'on va avoir, on en a parlé la dernière fois, on a parlé du RAW. Mm. L'alternative au RAW en vidéo, c'est ce fameux log, une courbe de gamma qui est donc logarithmique. On souffle dans l'oreillette qu'elle coûte 775 euros, ce qui n'est pas cher pour cette performance-là. Voilà. Ça enregistre sur des cartes SD. Je l'ai depuis pas très longtemps. Sur mon site, il y a un jeune chef opérateur français qui est installé à New York qui s'appelle Thomas Garrett qui l'a testé, qui a fait une petite vidéo. Je vous invite à aller voir. Voilà, c'est un produit assez étonnant qui a beaucoup de défauts, qui est très critiquable aussi, mais qui est un petit peu un ovni dans ce paysage. J'ai fait mumuse avec et c'est vrai que les images sont assez bluffantes. Merci Emmanuel. Alors avant de passer à Cédric, je ne t'ai pas oublié, on va d'abord faire mon coup de cœur, si tu es d'accord. Moi aussi j'ai fait mon marché du côté de Kickstarter. Alors mon grand défaut, c'est que moi j'oublie, je ne retrouve jamais les choses. C'est une vraie catastrophe et ça risque de changer ma vie. Ça s'appelle Tile, c'est une sorte de petite porte-clé qu'on accroche au revers évidemment de sa veste, si on veut chercher sa veste, dans son sac, et ça vous permet de détecter par plusieurs manières où vous avez positionné vos appareils, vos clés, vos téléphones, vos lunettes, que sais-je. C'est très simple, il suffit d'allumer l'application sur son iPhone et il permet de localiser soit via un système sonore qui fait sonner tout simplement le petit boîtier, soit le localiser via une application. Ça s'appelle le Tile, c'était en cours de financement sur Kickstarter, mais apparemment ils ont trouvé le financement, donc ça va arriver très vite. Ça va coûter quand même 19 $, donc ça va être assez cher, mais moi, croyez-moi, ça va changer ma vie. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir, ou tes coups de cœur? C'est amusant parce que j'en ai deux. Hein. C'est à la fois compatible et différent avec ce que tu viens de montrer, avec le petit Tile. Tu l'as dit, il y a des choses qu'on n'a pas envie de perdre, comme son laptop, comme son scooter, comme son chien, comme son enfant parfois. pour toutes ces choses-là, il y a maintenant une solution. Sa femme. Il y a une application. Oui, mais ça va, elle est autonome, elle sait où elle va. Oui. Et d'ordinaire, elle revient. La solution les autres cas précités, c'est Retriever. Retriever, c'est un tout petit appareil, ça fait vraiment la taille, ça fait 2 cm et demi. La taille de 3 pièces de 2 euros empilées, c'est exactement ce qu'on te montrait dans les films de science-fiction ou de détective des années 50-60. C'est le mouchard, le truc à l'intérieur, il y a un capteur GPS et puis il y a une antenne GSM, donc ça calcule sa position et puis ça te la renvoie, que ce soit sur une app iOS, Android ou sur le web. Là c'est pas sur Kickstarter, c'est sur Indiegogo. Ils comptent le vendre $300, ce qui est un petit peu cher, mais il faut comprendre quand même que derrière il y a du service GSM pour que ça marche, il y a un petit peu de data. Et la première année est gratuite et après je crois que tu payes quelque chose comme 1,50€ par mois pour que ça marche. Bon, si c'est pour retrouver ton enfant, c'est finalement pas cher payé. Ça marche bien la culpabilisation. Hein. Et en ce moment sur Indiegogo, vous pouvez l'avoir à environ 130€, donc c'est quand même pas mal. Ça permettrait à Rodrigo d'arrêter de perdre ses vélos par exemple. Enfin, on lui vole le garçon. Oui, enfin c'est pareil. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, là aussi, c'est pas entièrement financé, mais de toute façon, ça va se faire. Et si, le truc, c'est que selon la façon dont tu l'utilises, ça peut être entièrement autonome. Il y a un micro panneau solaire dessus. Ça se recharge aussi avec les mouvements. Et donc, si tu l'utilises de manière régulière et à l'extérieur, tu pourrais ne jamais avoir à le recharger. Et ça, c'est quand même, c'est très très largement génial. Merci, voilà. Cédric. Il y a encore un deuxième. Coeur, deuxième coup de cœur. Étant donné que Apple vient te décevoir une fois de plus, Olivier, en ne montrant pas de nouveaux MacBook tactiles, sorry.
Que les interfaces qu'on a vues jusque-là, Leap Motion, etc., c'est pas mal, mais bon, on est, bah, il manque quelque chose. Je vais te montrer un truc qui vient de chez iTribe. En gros, c'est Leap Motion, mais avec les yeux. C'est une interface qui se base sur les mouvements des yeux, qui regarde où tu regardes, qui te permet de cliquer, de choisir ton mot de passe, etc., etc., de déplacer des choses à l'écran, de manipuler des interfaces. C'est pas mal du tout. Si mes souvenirs sont bons, ça va coûter $99. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, en tout cas la vidéo de démo, parce que j'attends de le tester en vrai. Mais ça va changer la vie de gens qui n'ont pas l'usage de leurs mains, faut le dire, et pour qui le tactile reste, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Il faut en avoir l'utilisation, et encore une fois, j'attends de le tester en vrai avant de me prononcer, au moins sur la précision du truc, parce que dans la vidéo de démo, ça a l'air en même temps, c'est une vidéo de démo. Allez, dernier à nous présenter son coup de cœur ce soir, c'est Ulrich de Frandroid. Ulrich. Ah, moi, je bien sûr présenter un produit qui est sous Android. Je suis assez friand des tablettes, mais j'ai du mal à partir qu'avec une tablette parce que je trouve pas ça assez productif. Il manque un clavier, il manque quelque chose comme ça. Et là, il y a enfin un ordinateur qu'on appelle hybride. C'est les mêmes machines que sur Windows 8, sauf que celle-ci est sur Android, du coup elle est moins chère. Donc là, c'est pas Chrome, hein, c'est Android. Non, c'est pas du Chromebook, c'est la Lenovo A10 qui va coûter autour de 200€, la IdeaPad A10. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher, je pense que ça va être très intéressant pour les étudiants. Une machine sous Android avec un écran 10,1 pouces, processeur Quadricœur, etc., 9 heures d'autonomie. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et l'écran est tactile, bien sûr. On peut la plier pour la mettre comme on veut. Et je pense que ça va être peut-être la machine ultime pour voyager. Presque la famille. Ou pour les étudiants. La machine jetable, presque. Et, parce que si on la perd, c'est presque pas grave. Et la dernière chose, on en parle depuis des années, c'est ce qu'on appelle le Li-Fi. Alors, il y a encore des gens qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas encore en pratique. Le Li-Fi, c'est comme le Wi-Fi, sauf que ça n'utilise pas le spectre électromagnétique, ça utilise le spectre qu'on appelle optique, et donc la lumière. Et là, on commence à avoir des expérimentations intéressantes, en France et au Japon en particulier. Des faisceaux, en clair, voilà, c'est ça. Au lieu d'installer des ampoules classiques chez soi, on va installer des ampoules qui vont scintiller un peu plus. Comme et qui on vont voit celle-là à l'écran, oui. Voilà, qui vont surtout scintiller à une cadence, qui fait que ça va pouvoir envoyer des données qui vont pouvoir être réceptionnées sur son ordinateur. Ce qui fait qu'en entreprise, où on va pouvoir installer des ampoules dans chaque pièce pour pouvoir transférer des données, ça se transfère beaucoup plus vite que le Wi-Fi, c'est ça aussi l'avantage de cette technologie. L'inconvénient, c'est que dès qu'on éteint la lumière, il n'y a plus rien. Forcément, ouais. Sauf que ça va être très intéressant dans les avions et les hôpitaux, par exemple. On va pouvoir commencer à diffuser, à se connecter sans fil. Sans trop de difficultés. Sans qu'il y ait des problèmes d'ondes. Donc c'est une nouvelle grande norme possible pour le sans fil dans les années qui viennent. Ça va être très complémentaire au Wi-Fi, en gros. C'est très bien. On sait qu'il y a quelques années, il y avait du laser qui permettait de le faire, mais c'était très lourd et très compliqué. On arrive à la lumière. Merci, Ulrich. Je regardais donc en même temps sur les Twitter. On a déjà le gagnant du concours. On fait le Mac pour emporter ce disque dur MyWD d'une capacité de 2 Tera. Mais nous donnerons les gagnants que la semaine prochaine. Désolé, il va falloir attendre la semaine prochaine. Et n'hésitez pas donc à jouer encore parce qu'on va réserver également des disques durs pour ceux qui nous écoutent et qui sont fidèles au replay. Nous arrivons donc au terme de cette émission de ce 145e épisode d'On refait le Mac. Merci à toute l'équipe d'On refait le Mac d'avoir participé à cette émission. Merci à Ecriat, merci à toute l'équipe de Tech TV qui n'a pas démérité ce soir. Edouard Marquis rejoint nous, qui est le fondateur de cette chaîne de télévision qui va arriver bientôt. Edouard, bonsoir. Salut. Alors, quand est-ce qu'arrive Tech TV, Edouard? On en parlera dans deux jours. Bon, bientôt. D'ici bientôt, bientôt. Bien, merci à toi. Ça a été assez compliqué. Ne te mets pas à genoux, ça me gêne. Non, ça a été dans l'oreillette. ça a été assez compliqué, hein, cette émission. C'est direct, c'est à chaque fois un challenge de le faire. On y est arrivé. J'espère que vous avez été nombreux à nous suivre. On se donne rendez-vous chaque semaine maintenant pour On fait le Mac et Tech TV. Et très vite. Très vite, d'ici la fin de l'année. La chaîne tech, l'actualité en technologique en 3 lettres. En 3 lettres, donc soyez au rendez-vous. Vous retrouvez également Cédric chaque semaine sur LCI, chaque dimanche à 13h10. C'est bien ça, Cédric? Qu'est-ce qui rentre? Le matin, il se lève tôt. Et oui, le matin, la matinée. Je le vois le matin quand je me lève. En ce moment, le matin, il se lève à 4h. Tu vois ce que je veux dire? Il est décalqué. Je tiens à dire à ma famille et à mes amis que je vais bien. Oui, il a fait une sieste après-midi pour être là avec nous, hein, il faut le dire. J'ai fait une micro in extremis avec nous. Ma vie est un enfer, j'ai 2 jobs en un, mais pas payé. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu dimanche sur LCI, Cédric?
Voilà, reviens. Il faut vraiment que je réfléchisse. Ah oui, si, il y a la keynote d'Apple. Oui, c'est la chose dont on va parler pendant 2h15 ce soir. Exactement. Et il y a la nouvelle expo sur le jeu vidéo à la Villette qu'on est allé voir en avant-première, qui est vachement bien, parce que c'est pas une expo sur l'histoire du jeu vidéo, ça on a déjà fait. C'est une expo pour te faire comprendre ce que c'est que le gameplay. Il y a même des stations pour réaliser ton propre jeu, etc. C'est, voilà, ils ont mis 2 ans à bosser là-dessus. J'ai trouvé ça absolument remarquable. 13h10, dans plein écran, samedi, sur LC. Merci Cédric, on retrouve également Fanny chaque semaine dans Refait le Mac, qui est très prochainement pour une Fanny's Party. Fanny, c'est pour quand ? Alors la Fanny's Party, ce sera le 26 novembre, il y aura une Geekette Party le 9 décembre. Très bien. Et vous pouvez aussi me retrouver, je fais aussi une émission sur ce fameux salon du jeu vidéo à la Villette. Ce sera un petit peu plus tard sur la Gaming Zone, Melty. Merci Fanny, avec plaisir. Vous retrouvez Rodrigo chaque semaine dans Refait le Mac, qui est sur son Twitter @Rodrigo. Merci à Monsieur X qui s'est déplacé jusque-là. Comment tu ne me donnes pas la parole ? Mais oui, vas-y, tu remets, on peut aller en nez, Cédric, non, Rodrigo. On n'a pas que ça à faire. Vas-y, Rodrigo. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'Emma ? Vas-y. Rien. Bon, ah ben voilà, ça va bien avancer. Et vous retrouvez donc Monsieur X chaque semaine également dans Refait le Mac, qui est sur son Twitter @TrueMisterX. Merci d'être déplacé jusqu'à ce studio. Bah oui, moi je suis un homme comblé ce soir. Un peu flou. Ouais, parce qu'il y a d'abord une nouvelle version d'iLife, je l'attendais depuis longtemps, donc j'espère qu'elle va nous apporter plein de choses. Oui, c'est disponible sur le Mac App Store. Tu vas te... Et puis, Rodrigo a béni un de mes coups de cœur, donc si tu veux, là, c'est un peu la totale émotion, là. Merci, Rodrigo. Tu peux mourir, comme dirait. Ouais. Voilà, non, on va attendre le plus tard possible. Et outre, ici, Edouard en plateau, merci à Ulrich Rosier, qui a diffusé également sur Frandroid. Tu reviens quand tu veux, hein, tu es ici chez toi. Tu sais qu'en plus, tu sais qu'on va lancer quelque chose la semaine prochaine, donc... Vas-y. On peut... Toi, tu es au courant, mais je ne sais pas si j'ai envie d'en parler maintenant. Je préfère laisser la surprise, mais on va sortir. Voilà, il fait du teasing à l'app. De nouveaux sites. Voilà, il va lancer un nouveau site et je pense que ça ne sera pas très loin. Moi, je vais lancer la brigade du teasing. Moi, je vais lancer la brigade du teasing. Donnera... Les mecs sur Facebook, genre, ah oh, putain, il m'arrive un truc d'enfer, mais je ne peux pas le dire. Ta gueule voilà, le riche, ta gueule. On va lancer deux sites. Voilà, et je pense. Ils vont lancer deux sites. Est-ce que tu peux nous dire l'un des deux au moins? Il y en a un, il est sur Tyson. Un site sur des animaux. Mais c'est pas le plus intéressant. Et un qui va pas, je pense qu'il sera pas très loin de l'univers dont on parle dans Refait le Mac. Et merci à Emmanuel qui a eu aussi la gentillesse de venir nous rejoindre, qui va tester très vite le Mac Pro. On aura besoin de lui, de ses compétences à Ecriat pour également avoir un retour concernant ce Mac Pro, qui s'annonce un monstre de puissance. Merci Emmanuel, à bientôt. Tu reviens quand tu veux. À très bientôt. Et un grand merci donc à notre réalisateur François Bonton qui n'a pas démérité en régie, qui a assuré un max bravo, également à Olivier Rousseau qui était là pour le son. Et quant à nous, on se retrouve promis dès la semaine prochaine. On devrait avoir, j'espère d'ici là, si tout va bien, si je calcule vite fait, les nouveaux iPads en main pour donner un premier verdict. À la semaine prochaine, bonsoir.